Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà, je reviens après une longue période d'absence. J'étais à l'étranger pour quelques mois. Et me voilà de retour. Je suis de retour du Japon. Ce soir, nous allons jouer. Je sais pas à quoi, en fait. Je sais pas encore à quoi. On va voir. On va passer un chat. Voilà, bonsoir. Salut les gens. Voilà. Ça va? Ah, tu nous entends? Ouais, je pense que j'étais cool. Pas sur la bonne sortie son. On t'a regardé de faire poutrer. Ouais. On t'entendait te faire défoncer, du coup on allait sur Twitch regarder. Ouais, c'est bien, je sens qu'il y a du soutien. Ouais, bon retour en France. Ouais, merci, super. Ça va, vous allez bien? Ouais, ça roule. Ça roule. Et toi? Bah ouais, ça va. Ça va. Tranquille. On se remet dans le bain, quoi. Ouais. Bon, on se fait quoi? Bon, on peut commencer par un petit counter. Ouais, si vous voulez. Hein. Moi, j'ai commencé par ça parce que c'est facile de sortir d'une partie, quoi. C'est court. Ouais. Non, sinon, on se fait un saut, hein. C'est ce qu'on avait prévu au départ. Bah, on se fait un saut, hein. Moi, ça me va. Hein. Bah, on n'avait rien vraiment prévu, en fait. On avait dit quand Aurel y revient, on fait un gros bateau. Enfin, gros bateau. Ah, je me rappelle pas de ça. Bon, on avait aussi dit quand Aurel va revenir, Mick, tu vas te calmer, il va t'expliquer comment on joue à CS2. Ouais, non, mais ça. Je suis pas on sûr. On avait dit ça aussi. Ouais. Qui avait un souci apparemment de sur Sea of Thieves, le jeu se le faisait rage quit, le faisait quitter alors qu'il était en pleine game. D'accord. Du coup, fallait qu'il éteigne l'ordi et refasse tout. Et en fait, il y a un gars qu'on a fait une game qui lui a dit qu'il fallait. C'est quoi qu'il fallait faire? C'est la barrette de RAM qui est mal clipsée apparemment. Et le gars avait déclipsé, reclipsé, fait propre et reclipsé sa barrette de RAM. Et ça lui avait plus jamais refait. Ok. Ouais. Ça arrêtait. Et du coup, on lui a dit au gars, vu qu'on était on jouait avec des gars FR, ouais. On lui a dit bon, ben on dira ça à notre gars qui nous gère les PC et puis il faudra qu'il nous y fasse. Ah, mais parce que vous avez ça? Vous avez ce problème? Ouais, Kayan, il a ça. Ah, bah, faudra que je voie avec lui alors. Parce que du coup, ouais. Moi, je lui ai dit de rechoper une config, mais si c'est aussi con, c'est facile ça. Ouais. En fait, il nous a dit, puis on a dit, bah, c'est bon, nickel, Aurel, il rentre dans une semaine. Est-ce qu'il m'en a pas parlé là. Ouais, il a peut-être pas pensé, mais on y avait. On a su ça la semaine dernière, je crois. Il y a un gars qui nous y a dit pendant une game qu'il avait le même problème. Je reviens tout de suite, il faut que je chope mon téléphone. Ouais. Je sais pas si j'ai fait du mien. Ouais, j'arrive. Ouais. Je suis en train de lancer le jeu. Ok, bah je fais les invités là. Du coup, c'est Happy Tree Friends. Let's go. Ouais. Hop. Naviguer en brigue. Ça rase. Tu vas réparer la brigue. J'ai 2 500 000. Ouais, bah, c'est bon. T'as avec toute ta thune. J'espère juste que je me suis bien connecté avec avec le bon truc. Parce que j'ai aucune idée. C'est la saison 11, Yann. Ouais. Guild. Ouais, si, ça a l'air d'être bon. Non. Ça a l'air d'être bon, je récupère mon perso. Bah, la mise à jour, elle s'est fait toute seule, du coup, heureusement. Ah, moi j'ai tout lancé cet après-midi. J'avais toutes les mages à faire. Même Fortnite, il y avait 16 gigas. Merde, ça a lancé le bateau. Bah, vous rejoignez mon bateau depuis Steam, là, parce que j'ai zappé de vous inviter. Mais tu peux nous inviter après. Ah, il y a des nouveaux coffres. Ouais, il nous invite. Ouais, il va nous inviter. Ok. Tu fais échappe, je sais pas trop quoi. Oh, c'est trop bien la saison 11, on va pouvoir rejouer. Ouais, j'ai zappé la présentation. Il y avait une présentation. Ouais, mais normalement, moi j'ai regardé la vidéo, je devrais déjà tout y avoir. Alors, tu m'as invité. Alors, attends. C'est où l'invitation? Jouer. Il y a quelqu'un qui fait le chant des sirènes là. D'emblée. C'est bon, je suis là. Il manque que Mick. J'arrive. Oh.
De toute façon, si je mets jouer, aventure. Bon, bah allez, on se met Athéna ou. Autre chose. Comme tu veux, on peut remettre tout ce qu'on veut maintenant. On va faire. En même temps, Aurel, faut qu'il se remette dans le bain. Ouais. On peut se faire un Athéna avec toutes les missions de toutes les guildes. Bah, comme on a fait la dernière fois. Ouais, c'est long, hein. Ouais, ouais, ça rapporte pas grand chose. Juste me mettre deux secondes. Je vais juste modifier un truc sur. Ouais, t'inquiète. Mais en fait, en thune, je pense que ça rapporte jamais grand chose. Ouais, Game. Là, vu qu'on peut réaugmenter les niveaux de toutes les guildes, on peut se réaugmenter une guilde de chercheurs d'or. Ça fait 1000 ans. Ou alors on se fait juste des forts et de la guilde d'or. Ça peut être cool. Okay, j'ai rien comme ça. Le basique, quoi. Je suis un mec comme ça. Après, je veux te refaire Athéna, mais c'est juste que toutes les dernières fois, on a fait des Athéna et on faisait justement cette mission avec toutes les guildes. Ok, du coup, c'est pas ça. Ouais. Mais genre, maintenant qu'on peut réaugmenter notre niveau de chercheur d'or, on peut se refaire, tu sais, la grosse quête de chercheur d'or. Là, elle est trop cool. C'est où t'as les morceaux de fer, des trucs comme ça. Ouais, j'avoue. Ça, cool, ça fait 10 000 ans qu'on l'a pas refait pour le coup. Ah, allez. Puis Oral, tu ça, ça rapporte de la thune. Hein? Pour le coup, ça rapporte de légende. Bah, faut lui demander ses niveaux. Ouais, mais des sous, on en a rien à foutre. Quelque part. Il y a un vote actif sur la table d'une autre société. Ah, mais j'ai déjà voté pour Athéna. Je me rappelle pas. Je vais t'y dire, je viens d'arriver. Bon. Ouais, on t'entend toujours en double. Vous m'entendez en double? Ah, mais non, vous m'entendez dans le jeu, c'est pour ça. Sans doute. Ouais, ouais, c'est sûr que c'est ça. Bah, tu feras gaffe dans le jeu à muter ton vocal pour pas que les autres joueurs t'entendent. Ok. Parce que si tu veux faire une infiltration puis que tu rigoles avec nous comme un connard, ça va être compliqué. Non, j'essaie de régler un truc chez moi. Hop, voilà, c'est bon. Capture d'écran. On va redescendre ça. Tac. Bon, allez, chercheur d'or, du coup. Pas mal. Oh, ah, on peut faire autre chose, hein. Mais moi, celle-là, elle me tente. C'est bon. Répute. Moi, je suis le plus faible, c'est dans les eaux de la faucheuse, c'est là où je suis le plus bas. Ok, du coup, paramètres, il faut que j'enlève quoi déjà pour le son? C'est paramètres audio, hein. C'est le son spatial? Non, c'est pas ça. Alors, le chat de proximité, je pense que c'est ça qu'il faut que je vire. Écoute-moi, Maurice, je vais te dire ce qu'il faut mettre. Mode de sortie, bon bah casque, activé son spatial, activé. Canal de chat d'équipage, casque. Volume du chat de proximité, faut le mettre à 0. Alors, volume du chat de proximité, attends. Volume du chat, mais il est déjà à 0 chez moi. Ok, bah chat de proximité, directionnel et touche d'activation du micro, tu mets maintenir. Alors, touche, maintenir, ok. Ouais, c'est peut-être ça. Voilà, c'est bon, t'es plus bon double. Ok, parfait. C'est quoi la touche pour le micro? Bah, ça, c'est toi qui configure. Ah putain. Mais je ne l'utilise jamais, je crois que c'est mage ou je sais pas quoi. Non, volume, non, c'est pas ça. Commande, ça doit être dans commande. Tu as une caisse de sto, Yann? Pas encore. Aurel, dans tes raccourcis, configure bien tes touches là pour avoir des trucs à portée de main qui soient pratiques. Ouais, c'est bon, ça c'est bon parce que moi je les laisse d'office et puis je mets le clavier Rikin, du coup c'est plus simple. Faut aller où pour acheter la caisse de sto? Bah, chez le marchand. Courant, bah, non, sensibilité de la manette. Ça a changé. Inverser l'axe Y, non, sensibilité. Faut appuyer sur le même truc. Commande, manette, ah mais c'est bon, c'est clavier souris, je suis con. C'est les nouveaux menus. Je suis con. Du coup, interaction, interagir, interactionnant, chat textuel, ça je m'en fous. Activation du micro, donc ok, on va changer ça. Bon, t'as pris la caisse, Mick? Ben non, justement, je suis en train de chercher où c'est. Ah, bon, je vais trouver, je la prends. Et on va tenter ça comme ça. C'est bon, j'ai trouvé. Ok, vous m'entendez en double là? Ouais, je l'ai pris déjà. Est-ce que vous m'entendez en double? Oui. Bon, quoi que non, on fait chercheur d'or, je sais pas si c'est la peine de faire le plein dans l'effort. Est-ce que vous m'entendez en double là? Non.
Ah, vraiment pas? Non. Bah non. Ah, c'est ta touche d'activation qui marche pas? Ah. Ah non. Alors, attends. Elle a, vous m'entendez? Ah oui, là, oui, là, c'est l'horreur. Là, mais là, c'est en méga écho. Je pense que ça capte ton haut-parleur. Et là, on m'entend? Eh oh! Là, il y a un coffre chez le baron. Mick, va voir chez le baron, il y a un coffre. Il y a un truc qui brille. Attendez, le baron? Ouais, il y a un truc. Il y aura un petit cadeau qui traîne. Attends. Ah, moi, il faut que je fasse le plein dans les tonneaux quand même. Ah non, t'inquiète, je m'en occupe. Prends pas dans les tonneaux. Comment ça? Bah, je m'en occupe, tu sais, on prend une caisse de stockage là, on en a acheté une, et puis moi je fais le tour des tonneaux avec et je les vide. Ah oui, c'est vrai que ça va plus vite. Ah, juste à servir dans ça le bateau. Ça va plus vite. J'avais oublié cette histoire de caisse de stockage. Une caisse de soie exotique. Bon bah, vendu. Je pensais que c'était un sto, un truc comme ça. Ouais, ça aurait pu être cool, ça. Clairement, c'est clairement ce qu'aurait pu être. Faut que je descende, non? Voilà, ah oui. Faut aller au bateau. Ok. Moi, j'ai des quêtes de cash. Il faut juste voter pour l'émissaire et puis c'est bon. Ok. Attends, mais je sais plus où c'est, moi, voter l'émissaire de chercheur d'or, ça fait tellement longtemps. Bah, c'est devant la tente du chercheur d'or. Ah, par contre, non. Bah, c'est la déco, ça. Faut peut-être acheter une... Ah, il y a des vivres. Super. Oui. Hey, Yannis, il vous a raconté son truc avec Luffy, là? Oui. Avec Luffy. Luffy, ouais. Je sais pas, le vrai Luffy. Ouais. Ah bah là, il devient insupportable en vidéo. Le mec, il a un ego qui est terrible. Ça m'a fait rigoler. Bah du coup, il est ban à vie de sa chaîne, je crois. Ouais, faut croire. Ah non, pas à vie, si. Je sais pas, moi ça m'est déjà arrivé de me faire ban d'une chaîne. Bah s'il le prend pour un streamac, ouais, il la banne totalement. Ouais, je pense qu'il la banne. Ah, j'étais deg, j'avais mis un abonnement ou un truc comme ça, et le gars il m'a ban après. Du coup j'ai essayé de faire une réclamation sur Twitch en disant que j'avais fait... C'était un enculé. Bah non, tu fais un abonnement sur une chaîne et le type il te banne, tu vois. Donc j'ai essayé de récupérer mon abonnement, tu vois. Normal. Bah ouais. Surtout qu'en plus j'avais juste rien dit, quoi. Mais bon. Mick, t'es quel niveau? En quoi? En collectionneur d'or? Bah 75. Ouais. Eh ben, prends une quête alors. Une quête de cash, elle aura plus de valeur. Putain, fait chier, là, je suis chaud pour faire du counter. Ouais, trop tard. Je suis chaud pour viser des têtes, là. Bah, si on croit t'inquiète, prends ton snipe, tu vas te faire plus. Ah, mais je l'ai. Je suis prêt. Comment tu fais pour acheter l'émission? Bah... Oui. Ah, mais vous aussi, ça fait longtemps que vous n'avez pas joué, en fait. Non, mais il y a une mage et ils viennent de changer complètement les accès au menu. Ah. Ça, c'est une nouvelle saison, même. Ok. Bon, est-ce que je vais arriver à enregistrer ma config de bateau? Et du coup, on se fait quoi, là? Bah attends, Yann, tu sais comment faire pour acheter l'émission dans la nouvelle saison? Bah non. Je viens de débarquer aussi. Je sais pas. Chests? On peut pas lui acheter à lui? Bah justement, normalement c'est lui. Il y a pas de truc collectionneur d'or. Ah, il y a plus le... Bah, y a plus le menu qu'il y avait avant. Ouais. Est-ce que ça peut pas être le truc qui est juste là à côté? Là. Sur la gauche, là. Juste là. Non? Ça peut pas être ça? C'est quoi ça? Lancez l'encre en tant qu'émissaire des collectionneurs d'or. Augmentez votre rang d'émissaire en terminant des missions. Ouais. Vous remportez ainsi plus de récompenses et améliorez votre classement dans les carnets. C'est pas ça? Ah, c'est sur le bateau, je crois qu'il faut l'acheter. Ah bon? Mais c'est quoi ce machin là? Peut-être, oui, c'est peut-être bien sur le bateau. Ils avaient dit que c'était sur le bateau. Non, sur le truc du capitaine. Ouais, c'est vrai.
C'est peut-être ça. Ah voilà, bienvenue dans la table des quêtes. Ah bah voilà. Ok, ouais, ils ont un menu complet quoi. Ouais, c'est ça. Fab Flibustier. Ok. Du coup, on se fait quoi? Bah, on va faire une cache. Une carte au trésor. Voyage. Non, collectionneur d'or. Ok. Ah, cache au trésor. Ah, mais il y a peut-être des nouveaux trucs. Florilège, c'est quoi? Un mélange de voyage des collectionneurs d'or. Mais vous avez squatté quand même, parce que là, vous avez des équipements de ouf. Mais non. Bah, vous êtes déjà plus la même épée. Eh mec, ça fait un an qu'on joue avec toi, t'es au Japon. Ah, génial, caisse enterrée, énigme, cache au trésor. Ah, il y a plusieurs des caches au trésor. Ah, il y a ceux d'en bas, c'est celle dans le Reaper. Pas dans, le Reaper, dans le Roar. Dans le Roar. Bon, on peut faire c'était pas mal la dernière session dans le Roar. Et le cache au trésor de pirate, cache au trésor de capitaine. Trois morceaux d'une carte au trésor perdu, puis déterrer la clé d'une ancienne cache. On fait un ou capitaine. Alors épurer six morceaux. Ouais, bah ouais, carrément. On se fait un capitaine. Plonger ah oui, vers les voyages. Six morceaux dans le Devils. Non, après, non, j'ai pas pris le Devils. Non, mais après, ça se tente, hein. Il est 21h. Oh, on va déjà faire une partie tranquille dans le. Ouais, allez. Allez, une cage de captain. Je vais faire un petit sou. Arquebuse à mire des damnés. Ok. Le coutelas des damnés. Mick, c'est quoi que t'as comme couteau là? Avec la tête de mort? Ah, j'arrive. Ah, ok, pardon. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Attends, faut que j'aille là. F. Putain, ça. L'autre il se bat avec une spatule. Rapière des damnés. Rapière, ok. Et lui, il se bat avec une cuillère à rosti. Celle-là. Hein? C'est une spatule à rosti, ça, non? Ouais, mais elle est cassée. Ah. Par contre, je comprends pas. Elle est où la quête? Ah, faut la voter. Ah bah ouais, faut qu'on la vote, ouais. Si on la vote pas, on va jamais la faire, quoi. C'est bon? Ouais, je l'ai voté. Ok, donc récupérer 6 morceaux d'une carte au trésor perdu, ouais, puis déterrer la clé d'une ancienne cache remplie de pièges et de trésors. Ok, je suis chaud. Vas-y, c'est parti. Hop. F, nickel, c'est validé. C'est bon. Alors, récupérer 6... Ouais, ok, c'est parti. Tu veux que je t'aide? Bon, t'as fini de faire caca ou quoi? Il y a 10 pissous. Ah, pardon. Autant pour moi. Il a une grosse vessie. Avec un gros kick. Ouais, faut qu'on lève l'ancre, non? Ouais, puis je vide les boules aussi. Alors. Faut lever l'ancre. Oui. C'est pas pour critiquer, mais on n'est pas en émissaire, là. Bien sûr que si. Enfin, non, non, on n'est pas en navire dirigé. Il n'y a pas le nom sur le bateau. Bien sûr que si. Bah regarde. Bah moi je l'ai. Ah bah je l'ai pas. Bah si c'est toi qui a lancé le bateau. T'as pris bah le oui. Apri Tree Friends. Bah c'est bah bon. Bah oui mais tu vois le nom toi là. C'est moi, écrit Apri Tree Friends. Ouais non okay. C'est bon là. Ça marche. Il y en a qui ont regardé Apri Tree Friends. Ouais. Yeah bah oui la base. Tu vois le petit mot qui est en face de moi c'est sur vieux, le bras Aurel. Ouais. Eh bah tu le lis pas s'il te plaît. Sinon, ça lance une quête. De quoi? Le mot. Sur le mât. Là, sur le mât central. Automatique, là en ouais. Face de moi. Ouais. Tu ne le lis pas, ça lance une quête. Ok. Si tu cliques dessus. Bah, ça donne envie de voir, tu vois. Pourquoi tu m'en ouais. As parlé? Bah, on le fera une autre fois. Oui, mais c'est pour te dire de pas le faire. Que bah, ouais, mais bon, tu me dis, je vais faire une connerie, quoi. Ah. Du coup, oh là, putain faire... Côte faire c'est quoi côte quoi, là non, côte, j'ai... Bah accent, non. Sinon la caisse de stock que t'as acheté on l'aurait dans le cul. Ah bah voilà. Ça aurait été drôle sinon de la faire perdre alors que tu venais juste ouais. De l'acheter neuve. Accent aigu. Comment tu fais déjà ça? C'est pas bon. Ça. Réparer le navire. Alors les quêtes. Ah on se fait une boussole là. Putain, je sens que ça va être chaud. Hein.
au secours. Mais en fait, c'est ça, attention. Réparer les navires. Je comprenais pas, j'appuyais dessus, je me disais, mais ça fait rien. Je sais même pas comment on lance les têtes. Ennemis proches. C'est eux. Ah ouais. Ah oui, putain, c'est clé. Ok. Oui. Comment qu'on fait pour danser déjà W. Allô. Allô, vous m'entendez? Allô. Ouais. Non. C'est là, W. Ok, ah oui. W. Ah non. Ah, j'applaudis. Je suis content de ma connerie. Et pour jouer de l'instrument, comment qu'on fait? Ah. Ah, ok. Ah, mais ah, j'ai... C'est, moi, c'est ma touche pour parler. Ah. Ah, bah, c'est dommage. Ah, du coup, c'est la merde. C'est la merde. Paramètres, manette, clavier, souris. Du coup, c'est. Non, c'était quoi le truc de chat pirate? Non, c'est pas ça. Pourquoi que t'as mis une touche pour configurer ça? Ah, c'est dans le clavier souris, tout simple. Par défaut, AZERTY. Ouais, tu nous lèves la voix à l'avant, Yann? S'il te plaît. Attends. Interagir, arrêter, F. Bah, t'es prêt à réparer le bateau, du coup? Touche de micro. Comment je peux faire par défaut, maintenant? Ça, ça marche pas. On peut pas remettre rétablir par défaut. C'est quoi ce bordel? Certaines touches ne sont pas assignées. Ah ouais, oh. Ok. Menu. Qu'est-ce que je vais mettre Tu prends plus 15, tu veux. On va mettre A. Ouais, bien vu. Ok, et du coup, ça, on va mettre R. R. Ok. Ah, mais putain. Pourquoi ça me. Ah non. L'activation du micro, c'est A. Interaction gauche. Secondaire, c'était R. Du coup, je sais pas quoi mettre. Rendre ça, du coup. Bah si. Ah bah voilà, c'est ça le micro. M'entendez en double ou pas là? Non. Non. Sérieux? La cac. Ah, il y a un pirate fantôme là. Enfin non, un pirate squelette. Je sais pas quoi mettre comme touche pour parler en fait. Ça fait chier. Ouais, moi non plus. Ah, attends, j'ai trouvé. Mettre ça. Qu'est-ce que tu suggères? Voilà. Bah, j'ai un. Sur ma souris, j'ai un bouton pouce. Du coup, j'ai mis bouton pouce. Comme ça, je peux parler. Hop. Vous m'entendez? Ouais. Le mieux, c'est quand je parle comme ça. Ça, ah ouais, c'est top. Ça. Ouais, tiens. Et là, ça marche ou pas en double? Non, toujours pas. Sérieux? Bizarre. Et du coup, faut qu'on fasse un truc là sur panier à serpent. Oh putain, comment qu'on repose ça? Comment qu'on pose les choses qu'on chope déjà? X. Merci. Ah, ils ont tout refait. Des petites. Faudra qu'on chope des trucs dans les tonneaux là, non? Oh, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Ouais, je sais pas, il y a plein de bouffe, hein. Du coup, ce serait pas mal, non? Bah, faut prendre la caisse de sauce. Ouais, sur bah ouais. Et Yann, tu fais quoi? Tu fais pipi? Je configure mes raccourcis qui ont tous foiré. Alors, caisse de stockage ramassée. Hop. Alors, comment qu'on fait déjà pour ramasser les trucs? Ah oui, stocker. Mais c'est long, en fait, pour stocker les trucs. Stocker quoi? Stocker ce qu'il y a dans les caisses. Ah, prendre. Tu laisses appuyer. Ah, mais non, fallait juste mettre prendre. Mais quel glandu. J'ai tout mis dans un tonneau. C'est l'inverse. Ouais, c'est l'inverse. Là, je me suis fait avoir. Le jeu m'a trollé. Putain, j'ai l'impression que j'ai des bugs graphiques. Il y a un petit bug là. E3 malédiction 5. C'est une blague.
C'est quand même pratique, hein, cette caisse. La caisse de sto, c'est la vie. Ah putain. Avant, elle coûtait une fortune. Maintenant, il l'a réduit quand même vachement le prix. Ah bon, elle coûtait très très cher. Sérieux? Ouais. Bah, c'est juste essentiel, en fait. Non, mais c'est le top. Alors que normalement, t'es censé avoir que 5 trucs sur toi. Ouais. On se faisait des allers-retours de merde et tout. Non, mais je me souviens. Un peu de thunes, on fait ça et c'est la folie. Ah, merci. Je sais pas ce qu'il y a dedans, hein, mais il doit y avoir des trucs. Alors, caisse de stockage, ouvrir. Non. Caisse de... Oui, c'est ça. Ouvrir. Poulet. Vas-y, Ayane, prends-moi. Pourquoi je peux pas tirer? Ah, j'ai plus de balles. C'est con. Je peux pas tirer, ça me fout la rage. Bon. Ah, du coup, Kayan s'est fendu la foire. Avec tes super stats. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Putain, je trouve pas les balles. Ah, c'est là. C'est dans le bateau. Ah ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Bon, on se bouge ou quoi, là? Attends, tu prends ta... On les aime bien, les gars. Qui font rien et puis qui disent « Bon alors, on va où, les gars ?» Bah ouais. Tu fais « Ah !» Attends, moi, je vais chercher de la bouffe. Mais non, j'ai tout ramené, déjà. Non, trop tard, il a tout ramené, Yann, on parle, hein. Ouais, bah c'est bon, je vais rattraper avec une sirène. Ok. Pas de caisse, alors. Je descends les voiles? Pas encore. Ah merde, trop tard. Non, mais c'est bon, on se vas-y, on y va. Le cap est pas encore tout à fait tout droit. Tu fais A spacebar. De quoi? C'est quoi A? A, et après tu fais spacebar. A. Et en fait A. Et après t'as la boussole. Ouais, je vois. Bah tu prends la boussole. Comment qu'on fait pour la prendre? A spacebar. Non mais là je suis dessus. Je suis dessus mais je sais pas comment l'équiper. Bah, tu lèves la flèche. Tu lèves la souris dessus. Lève la souris dessus. Mais je suis dessus. Et après tu lâches. Putain, tout. Putain, dialogue de sourd. Ça va toi? Putain. Ok. Non mais c'est... Voilà, hein, c'est... ça fait quand même des mois et des mois que j'ai pas joué, quoi. Ouais, j'avoue, à ça, ouais, ça doit faire un moment. Bah, la dernière fois que j'ai joué, j'étais en Argentine, donc... ça fait au moins 8 mois que j'ai pas joué. Ah, bah. Là, normalement, il y a un gros bateau. Ah bah, il est énorme. Faut pas lui tirer dessus. Sur qui qu'il faut pas tirer? Le bateau de gauche. Je vois pas de bateau, moi. Il y a un énorme bateau à gauche. Tu vois pas? Ah ouais, vous avez pas vu. Lève les voiles. Lève toutes les voiles. Oh merde. Ah, il nous tire dessus. Ah, on peut pas, lever les voiles. Il nous a bloqué les voiles. Ouais. Il nous a tout bloqué. Je vais regarder s'il faut réparer. Ouais, faut réparer. Prend hein. L'eau en plus. Bâtard. Enfoiré. Ouais, mais en plus. Votre navire prend l'eau, utilisez une planche de bois pour réparer le trou. Ah merde. Moi j'ai pas de planche de bois. Pourquoi il y a des tutos? Je sais pas, pour les noobs. Elle est où la. Si je suis pirate de légende, moi tu me rapprends pas ça à moi. C'est où qu'on prend l'eau? C'est bon, c'est réparé. À l'arrière, mais ah, y a, bon, tu c'est vrai. Réparé déjà. C'est qui fait à manger? C'est quoi qu'on mange? Oh, du poulet. Ah. Mais là, ça y a toujours le bruit qu'on se fait attaquer, non? Ouais, il y a une navire fantôme qui est pas loin. De l'autre côté de l'île. Putain, faut vraiment que je reprenne les... Ah, t'inquiète, c'est pas grave. Ça viendra. C'est quoi, là, qu'il y a sur l'île? Bah... Un coffre. Bah prends, harponne. Parce que là, on avance. Ah non. C'est quoi, de la mune? Mune, nickel. Ouais. Pas mal ça. Vérifiez si la... La boussole, elle emmène vers cette île là ou pas? Ça revient sur nous là. Pas grave, il est loin. On peut lui tirer dessus ou pas? Non. Mais lui nous tire dessus. Pas grave. Parce que c'est les méchants. On se le fait. Ils sont vraiment trop méchants. C'est hein. Un galion. C'est un gagnant, on pourra pas. Ah, on s'en fout. Y'en a un qui va sur l'île déterrer le truc ou pas? Pour relever les voiles. Hein.
celle de devant. Ah bah l'aile. Ah, je crois que j'ai plus de... Ah, puis en plus j'arrive, je tire juste pas bien dessus quoi. Aurel, il y a un type que tu dois pas connaître, c'est... C'est quoi? On peut avoir de l'armure en fait, en mangeant de la viande cuite. Ah bon? Ouais. C'est quoi cette histoire coup, d'armure avec de la viande cuite? Bah ouais, c'est pour ça que je fais cœur de la viande. Parce qu'on voit des pirates. Essayer de buter le gars qui a la barre là. Faut les boules à bouche un peu. Non, parce que la barre ça sert à rien. C'est au canon, c'est une utilité. Oui, je suis au canon, faut tirer. Des objets. F plus, dommage, j'ai essayé de l'harponner mais ça n'a pas marché. Il y avait vraiment pas beaucoup de boulets là-dedans. Hop là. Ah, ils sont trop loin. Ouais, effectivement. C'est quoi? Pourquoi on a un serpent? Un serpent? Ah non, il est vide. Non, on a un panier, mais il est vide. Ah bon, ça va? Ouais, c'est Aurel qui l'a trouvé tout à l'heure. Ouais, mais je l'ai pas ramené, moi. Pièce de munitions. Ouais, j'en ai ramené une tout à l'heure. Je la mets ailleurs. Objet à lancer. Ah oui, ok, c'est pas mal, ça. Ça, c'est bien, ça. C'est... Bon, il revient pas, du coup. De qui? Le bateau. Moi, j'aimais bien tirer dessus. Ah, on a un coffre. On a un coffre cendré qui est ouvert, c'est bon ça? Ouais, c'est moi. On a trouvé la clé et on a réussi à l'ouvrir, j'étais trop content. Ah, c'est quoi le capucin bleu des lagons? C'est Ariane? Ouais. Comment ça, c'est Ariane? Bah, j'ai un petit. Dès que t'envoies un screenshot de ton kiki et s'il est suffisamment assez gros, il te donne un animé. Sur le live de Doofy. Ouais. Mais faut vraiment un gros kiki pour y arriver. C'est ça. Bah du coup j'ai triché, je l'ai fait en AI la photo. Bah faut qu'on foute le camp ou on se finit ce putain de bateau là. Allez on le finit, on l'a déjà bien défoncé. Voilà il arrive sur nous. C'est un galion mec. Bah oui, mais on va le finir. Et alors? On lui a déjà bien mis tarif. Depuis quand on a peur des galions? Bah depuis qu'il nous coule à chaque fois qu'on essaye de les attaquer. Bah non. Gégé. Allez petit kiki, fais demi-tour. Ah non, nique pas les chaînés à cette distance. Ouais, bah a priori ça marche pas bien. Ils sont précieux les chaînés. On a suffisamment de planches alors pour attaquer hein. Oui. Ouais, il nous reste 25 planches, super. Ah, j'ai plus de boulet. Vous pouvez y attaquer, hein. Ah, des boulets encore? Ça a harponné, là. Ah, j'arrive pas à recharger, là. T'as plus de boulets? Ah, si, j'ai des boulets. Vas-y, voir là. J'en ai plus assez. À droite, attaquez. Ouais, mais y'a pas. Putain, mais. En bas, y a deux boulets, quoi. Tonneau rouge. Aïe, putain. Nick, il tourne. Oui, bah je sais, mais moi j'essaye d'éviter l'île déjà. Les chaînés, ça sert à rien sur les navires squelettorales. Ah bon ? Ah merde. Ça leur fait pas tomber les mâts. Il y a une brigue, faut qu'on foute le camp. Il y a du R5, faut qu'on dégage. Aurel, fais le plein de boulets, on va se faire défoncer tout de suite là. Mais j'ai plus de boulets, mais c'est où qu'on peut trouver des boulets? En bas, tonneau rouge. Tu changes tes armes, tu prends tromblon snipe pour les fights avec les gars et tu recharges bien toutes tes munitions parce que là okay. Ça va taper. Et on se barre là, on fout le camp. Ok, bah on y va hein. Il nous suit hein. Ouais bah oui. Pourquoi j'ai un truc qui me... J'ai le feu. Au secours. Pas grave. Bah je vais mettre le feu au bateau non? Non. Il y a de l'eau dans la cale. Tu m'as refoutu le feu. Mick, tu gères la fuite par rapport au R5 parce qu'ils vont nous violer le fiac. Ils vont nous violer de toute façon. Regarde la vitesse à laquelle ils prennent. On n'a pas du tout optimisé les voiles, personne n'optimise un tout. Ils vont nous
violette. Là pour le moment, je prépare. Là. Hop. Aïe, aïe, aïe. Enlever les. Hein ? On s'est fait enlever les voiles. Bah, ok, ils vont venir sur notre bateau là. Ouais, je vois. Ils vont nous aborder, les mecs. Tu pilotes ou quoi, Mick là ? Mort. Hein ? Je suis mort. Bah, communique si t'es mort. Tu l'as dit ? Mais d'où t'es mort ? Y'a quelqu'un sur le bateau ? Encore, il est là, il est là. Deux secondes, il va y être. Ah ouais. Mais on s'est fait envoyer mort, des... Il est mort, je l'ai eu. Bien joué. Bon, Aurel, faut que t'arrêtes de cramer, là. Je peux rien, hein. Bon, pourquoi nos voiles, elles sont baissées, merde. C'est pris un boulet. Faut vérifier qu'on soit pas ancré, là. C'est bon. Non, c'est bon, on est pas ancré. On est pas ancré. Faut qu'on batte contre eux, hein. Tu veux te battre ? Bah, va falloir, hein. Aurel, va réparer en bas. Ouais, j'ai fait de la merde. Je répare. Mais en fait, je voulais pas faire ça, moi. Je voulais le canonner, hein. Bah, voilà, on a pris grave des dégâts. Comment t'es mort, Mick ? Boulet bouche. One shot ? C'est bon, c'est réparé en bas. Je devais pas être 100% de vie. Aurel, reste au canon, je m'occupe de... Non mais je suis dans l'eau, moi. J'essaie de trouver une sirène, là. Ah, bah reste sur le bateau pour le moment, tant que j'arrive. Pas tes marques. Et tu te mets au canon et... C'est bon. Et t'essayes de défendre, puis je fais le reste. Là, putain, j'ai pas de boulet. Moi non plus, j'ai pas de boulet. Ils sont en bas, dans le tonneau rouge, bordel. Ok, ça va nous snipe là. Ouais. Aïe aïe aïe. Ok, on se fait défoncer le fiac. Mick, tu gères au pilotage. Ouais, ouais, je pars en bas. Bon, c'est pas grave. J'ai cop. Bon, de toute façon, va falloir se battre parce que sinon ils vont nous prendre en chasse tout le temps. Bah oui. On n'est pas des runners. Bah, c'est un record 5 quand même, hein, on va voir. Moi qui voulais faire une tranquille, une truc d'or là, ça me fait chier. T'as dit quoi là ? Moi je suis en bas, je vois pas ce qui se passe. Là pour l'instant il y a rien, mais en fait le problème c'est qu'il y a le galion aussi avec nous, mais il nous prend en chasse déjà le galion. Ah non, c'est bon, il coule. Non ? Ok, ça coule plus en bas. Okay. C'est bon. Allez, Aurel, c'est ici, c'est en face de moi les boulets. Ouais, c'est bon, j'en ai, hein. C'est juste que il faut que je les... Ah, ça arrive, ça arrive sur nous. Ah, Il va monter. Ouf. Droite, gauche. Droite, je dirais. Ah, y'a personne. Ouais, c'est bon, il nous a raté. Ouais, c'est une brigue. C'est une brigue. Mais y'a pas de raison qu'on perde. On s'est fait ancrer. C'est quoi là ? C'est quoi ? Je la chope ? Non, c'est je relève. Putain, l'enculé, il a réussi à nous ancrer, quoi. Ouais, je l'ai pas vu sur le pont. Je l'ai pas vu non plus. Ah, pas grave, ils vont nous péter le cul. J'ai vu un truc qui avait l'air de voler, par contre. Il faut monter l'ancre, hein. C'était un peu bizarre. Tu m'aides. Bah là, je suis en train de nettoyer, de réparer en bas, en fait. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je te dis, reste au canon, je m'occupe du reste. Sinon, on est foutus. Alors... Bah là, le truc, c'est que j'ai pas d'angle hein, pour leur tirer dessus. Ouais, t'inquiète, je vais te donner l'angle. Tu vois ça avec Mick, vous communiquez, et puis... À droite, on est un peu plus. On renfort un peu partout. On est un peu plus. Ça va arriver. Ah, je suis vraiment trop nul. Ah, c'est comme ça que t'apprends. Oh, on a pas du tout le bon angle, Mick. Hein. T'arrives sur nous, à gauche. Dessus, à droite, pardon. Putain, il m'a buté, un one shot. Mort, je l'ai eu. Et il a pas eu le temps de nous ancrer. J'ai besoin de res. Ah pardon. Bon, tu peux res. Mick, gère la barre. Merci. Ok, bouffe Aurel, bouffe. Putain, j'ai pas de bouffe. Je suis mort encore. Où le bâtard ? Oh, il est dans l'eau. Dans l'eau. J'ai besoin de res. Mick. Je
suis dans la cale. Hit. Merci. Ça, faut que je prenne de la bouffe. Il est où l'autre bâtard? Là, il doit être mort. Ah, ils sont dans la flotte là-bas. Ils sont en train de se faire shark. Bien fait pour votre gueule là, bande de con. Putain, et le bateau qui est en feu. Oh, c'est pas grave. Ah, heureusement qu'on est chaud du flingue. Hein. Voilà. Ah bah, faut que je... ça me fait penser qu'il faut que je reprenne des munitions. Ouais. Très bien. Munitions, t'as des caisses en haut, en bas. Ouais, mais je sais pas, je la vois pas, celle du haut. Non, c'est celle du bas qu'il faut que tu prennes, juste à droite, en bas de l'ascenseur, en bas de l'escalier. De l'ascenseur. Attends, je chope l'ascenseur. À droite, 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 canon droit. Mec, on arrive direct dessus là. Ah, c'est l'idée. Oh, ouais, là, je suis au canon. On va reprendre le même canon. Canon de droite. Putain, ils sont canonnés à gauche. Bon, ils l'auront pas. Non, c'est bon, j'ai. Il y a un mec qui vient de sortir de l'eau. À gauche. Ouais, ouais. Il va ancrer. Je l'ai hit. Il est dans la cale. Il est dans la cale. Je remonte l'angle, je voulais te finir. C'est bon, il est mort. Il est mort, ouais. Il faut quelqu'un pour m'aider à relever l'angle. Ouais, on arrive. Putain, ils arrêtent pas de nous ancrer, c'est mon culé. On va pas se laisser baiser comme ça. Ok, c'est bon, go les gars, go. On charge les munes. Bâtard là. Même on n'arrive pas à leur tirer dessus. Mick, t'es à la barre, ok. Un peu tard, mais j'y suis. Bon, là c'est du boulet. On va être hit. Ah non, au-dessus. À côté. L'angle là, est à pas droite. Bon, si, là ça va être bon là. Juste devant. Ils sont pas si bons que ça. Non, ils sont pas ouf. Sinon, on serait déjà coulé. Depuis longtemps. Ouais. Heureusement. Vous arrivez à t'arrives à toucher, Yann? Ouais, ouais, on entend la musique. Y'a un mec. Il m'a buté. Il est où le bâtard? Il a ancré. Touché. Ah, il m'a buté aussi. Il est où ce fils de pute? Ah, il vient de repasser sur le pont. Ah, je suis dead aussi. Putain, je suis dead. Ah, culé, il nous a eu les trois. Ah, bah là, on est dans la merde. Et on est ancré. Ah, on est morts tous les trois. Ouais, c'est pas bon là. Ah, c'est pas bon là. Ah, je crois qu'on est en train de cramer. Ah oui, normal. Couler. Bon allez, fight mode. T'étais en mode CS. Ah, on a coupé. Ah putain, il m'a one shot. Il est dans la cale hein, si jamais. Merde, putain, il m'a rebuté le con. Mais il nous vomisse dessus, t'as vu? Ah, oui, ils sont déjà bourrés. Il m'a vomi dessus pour que je vois rien. Moi je suis arrivé, je l'ai vu direct, je lui ai mis une balle, j'ai touché mais ça a pas buté. Faut viser tirer pour que ça commence le tir du. Pourquoi ça l'a pas buté? Normalement le tir ça tue direct, non? Mais faut le viser tirer parce que sinon les plombs ils s'éparpillent trop. Ouais, mais avec le snipe. Ouais, ils sont plusieurs. Ah non, snipe ça suffit pas. Ouais, ok, ouais, c'est pour ça. Ah, on est en train de couler. Ah, les bâtards. On est coulé. Ah ouais, on est coulé là. T'arrives pas à tirer? Oui. Bon bah là on s'est fait ouvrir. Bon Ren, on a pas vraiment upgradé hein. On fait toujours la même chose. On fait quoi? On se met à Reaper et on essaye de leur faire le cul ou... Ou bien... On va arriver sur une île où il y aura pas moyen de se rechoisir un truc hein. Moi franchement je pense que j'ai pas assez de niveau pour arriver à les buter mais...
Ouais, non mais c'est clair, là ça aide pas, clair. Et notre quête là, c'est perdu aussi. Ah non, notre quête c'est pas perdu. Bah non, yes, la chaloupe bleue je l'avais encore pas eu. Oh, ils sont où ces trous de balles? Eh bien, on était. Bah franchement, tu prends la. Poupipou. Ah bah ils sont notre... vers l'île où on était, ouais. Ok. Comment ça s'appelle? Ils sont vers l'île. Tu reprends la boussole, ça va nous emmener vers eux, hein. Ouais. Ah mais là si on n'est pas... Faut qu'on aille à l'avant-poste, là il est pas loin, il est à droite, pour se remettre en chercheur d'or. Il est à droite loin ou je le vois pas? Donne-moi le cap. Voilà, là il est presque en face. Ouais, tout droit. Bon bah on a bien décédé. Ouais, je confirme. On est bien mort. Ah, on était acculés là. Putain, y'a un R1 en haut. Y'a le R5 qui nous a fumé. Attends, mets-nous à notre bateau s'il te plaît. Sur la carte. Et c'est tout ce qu'il y a. Y'a pas d'avant-poste là où tu nous emmènes. Hein. C'est un bah, fort. Je sais pas. Ah. C'est au nord l'avant-poste. L'avant-poste, y'a Ancien Spire. Ouais mais qui est plein d'heures, qui est pas devant nous. Non, où il y a plein d'heures juste à côté des gars qui nous ont fumé. Sur notre route. On est bien mort. Ça fait chier, je les avais gérés avec les boulets du chaos mais... Ah parce qu'on a des boulets du chaos. C'est quoi ça? Ça sert à rien les boulets du chaos, t'as fait quoi avec les boulets du chaos? Une bah, fois si. Tu les as bloqués du coup? Mais non, mais c'est Quand t'es en mêlée, que t'as foutu ton truc tromblon snipe et que t'es toujours en mêlée et que t'as pas le temps d'attendre que ça recharge, tu balances un boulet de feu ou un boulet du chaos. Ah oui, ok. Et le mieux, mais c'est un tu chaos. Tu les avais tués ou pas? Mais non, je leur ai fait des dégâts à chaque fois, mais ils m'ont fumé, ils étaient deux sur moi. Ah merde. C'est Aurel, le raccourci, c'est C. Tu vas voir là, tu fais C, ça te sort soit un boulet flamme, soit un chaos. Ah ouais. C'est un raccourci qui peut faire mal. Ok ouais, là, ça peut être utile. Et voilà, faut cuire de la viande, faut la bouffer pour se faire de l'armure, et de toute façon... Ouais bah il y a ça plus. Aussi, moi j'en ai pas bouffé tout à l'heure, donc niveau bouffe j'étais un peu nul, tu vois. J'avais pas grand chose, j'avais des bananes et des noix de coco, donc... Ouais bah alors, les bananes ça te donne 20%, les noix de coco 30%. Ouais mais c'est de la merde. C'est de la merde, et le mieux c'est la viande cuite ou les ananas. Ah l'ananas, je savais. Ah attends, je viens de voir, j'avais laissé le logo MSF sur mon stream. Il apparaît pas tout le temps a priori. Bah affilié non, là. Disons que je soutiens un peu quoi. C'est quoi MSF? Bah, c'est les Médecins Sans Frontières. Bah en même temps, des abréviations, il y en a 12 000. Ouais bah oui, c'est clair. Bon après, MSF c'est quand même super connu quoi. MSF ça peut dire plein de trucs. Tu es sûr que tu cherches l'abréviation sur internet? Il y a 12 000 assos qui s'appellent comme ça. Ah peut-être. Ouais, mais... Ouais. Il y en a surtout une qui est connue quoi. Oui, du coup oui, mais moi je savais même pas dans quel secteur. Moi je pensais que ça parlait informatique ou je sais pas quoi. Ouais non, je me vois pas soutenir une asso dans l'informatique en vrai. Moi ça peut être une asso, c'est peut-être un club, un team. Mettez-vous à l'eau et allez voter. Il en faut deux qui votent. Pêcher. On va voter où? Bah en fait c'est le même îlot que tout à l'heure. Ah faut bien que ta voile là elle est pas levée. C'est un poisson. Faut bien la lever jusqu'au bout. Là c'est bon, je l'ai relevé. On va où là? À ce beauté chercheur d'or. Ah, je sais pas où c'est qu'il faut aller voter. Je suis Yann. Putain, puis je suis dégoûté, le coffre des cendres qu'on avait, du coup on n'a pas pu le vendre. Alors, vous avez atteint la classe de Jalon, 24 dans les îles. C'est là qu'il faut voter? Ah, là où je suis. Là ouais, on a voté tout bon. À l'heure. Voter? Ok. Allez, on remonte dans le bateau, on y va. On va pas repérer la caisse de sto hein, si c'est pour se la faire en l'EU. Bon
Bon, avec tout ce qu'on leur a balancé dessus, il devait pas rester grand chose dans la caisse. Le bateau avance trop vite, j'arrive pas à remonter. Ouais, j'ai plus vite. Ouais, c'est pas grave, je vais nager dans l'autre sens. Ah, y'a un requin. Sérieux ? Tu vas te faire shark ? Tu vas être encore plus vite dans le bateau. Me faire shark, ouais. Ah bah y'en a deux en plus. Bah ouais, super. Ouais, j'essaye de freiner leur attaque. Ah moi j'essaye d'aller le plus vite possible dans l'autre sens. Bon, elle est où la sirène, là ? Hit. Bon, j'ai fait ce que je pouvais pour les fatiguer un peu. C'est gentil. Bon. Il est pas content, le requin. Il est en train de me buffer. Ça casse le cul, quand même. Il est en train de me tuer. Ah bah ouais. Je suis en train de mourir. Ouais, bah laisse le shark, ça sera plus rapide. Ah bah voilà, je suis mort. Eh, ça fait du... Ça fait du fort, là. Il y a un crâne vert. Ça vient de le finir. Ça vient de le finir. Si on trouve le bateau qui... Si on trouve le bateau, on peut récupérer les coffres, non ? Ouais, mais faut le couler. Bah, on va le couler, alors. Non, mais laisse tomber. Il voulait pas le couler. On va droit dessus. Ah, ils veulent pas nous foutre la paix, ces trous de balle. Bah, en fait, le problème, c'est que... C'est dans la zone où on doit aller. Ouais. Bah, ils doivent être encore 4, en train de récupérer notre loot, je pense. Ils sont toujours à l'arrêt. Bande de cons. On met tout ce temps pour récupérer notre loot. Ah, puis c'est parce qu'ils sont... C'est parce qu'ils sont Reaper 5 qu'ils ont vu... Ils nous ont vu comme émissaires. Mais non, ils nous voient que quand on est émissaire 5. Sûr de ça ? On est juste passé à côté, oui. Ouais. On est passé à côté, ils nous ont vu, ils nous ont chassé. Puis clairement, ils avaient optimisé les voiles, ils avançaient bien mieux que nous. C'est juste pas de chance, voile, quoi. Elle était pas optimisée. Non, on est juste mauvais. C'est ça la question. Ah oui, ça, bon, ça... ça, moi, je sais que je suis mauvais. Hein. Enfin, je vois bien, hein. J'ai pas de réflexe. En plus, j'ai pas les bonnes armes non plus. En fait, t'avais géré. En fait, quand ils attaquent comme ça, il faudrait le pistolet et. Parce que. En fait, le. Un long snipe, il faut. Allez, du loot. Ouais, mais c'est ça. C'est que si t'as l'épée, ça sert à rien, quoi. Non, l'épée, ça sert pas à grand chose. Bah ouais, c'est de la merde. Ils ont gradé l'épée depuis pas longtemps. Non, l'épée, c'est pas de la merde. Mais ouais, ils ont un peu upgradé l'épée. Ils sont en face de nous. Ils sont en face de nous. Si t'es noob, faut tromblon snipe. Bah moi j'ai pris le comment dire le flingue. C'est pas le flingue qu'il faut. Non, tromblon snipe. C'est quoi le tromblon ? Bah, le tromblon c'est écrit tromblon quoi. Ouais, c'est le pompe. Ok, je vais prendre le tromblon des damnés. Bon bah du coup on va retenter de leur faire le cul. Hop là, allez. Bah à bout portant, parce que des fois à bout portant j'ai tiré avant eux. Coucou. Ah ils se canonnent. Ah ça arrive, ça arrive. Il y en a un qui monte à droite. Il est là. Il est dedans, il est en bas. Merde. Il se fait défoncer. Il est touché. Il est où le bâtard ? Tiens, ça va vite. Hein. Allez ! Putain ! Hit ! Mort. Je suis mort. On est en train de prendre l'eau. Ouais, il m'a buté. Faut qu'on change de serveur, les gars. Ouais, je pense qu'on va devoir changer de serveur et on recommence ailleurs. Je trouve que c'est bizarre. C'est bizarre comment ils arrivent sur notre bateau. Non ? Non, ils se canonnent. Ils se canonnent dans les règles de l'art. Ouais, ils se sont canonnés avant. Ça se trouve, il y en a un, il s'est même deckshot. On a coulé. Je trouvais ça bizarre parce que je les voyais voler, donc du coup, je comprenais pas. Ah non, ils sont envoyés par le canon. J'ai fait une demande dans le vaisseau des damnés pour changer de map. D'enlever le vaisseau des damnés. Dans le vaisseau des damnés, c'est juste à la porte, tu peux dire que tu subis la partie et il faut que tu... Ah, c'est vrai ? Ok. Ouais. Ah, je savais pas. Donc, vous pouvez faire la demande aussi, ça va appuyer le propos.
J'en ai buté un. Ah, moi aussi, c'est Keblo. Ouais, moi aussi, ça m'a bloqué. J'ai pas compris pourquoi. Je pense qu'on change de serveur. Bah là, c'est bizarre. Hein. Là, ça a planté, non? Ça t'a TP? Ça a pas planté? Bah. Nous, ça a lagué un peu. Là, on est en train de respawn. Ok, c'est bizarre. Cool, nouvelle okay, c'est human, bon. Vous avez encore coulé. Est-ce qu'on a une médaille au bout d'un moment qu'on coule? Oui, oui, t'as des jalons. Des jalons de. Ok. Tu coules ton bateau, il y a trop de trucs. Moi, j'ai eu un jalon, je sais pas combien, de visite du vaisseau des damnés, je vais aller enculer. C'était quoi ça? C'est Yann, il fait des kegs. T'as quand même un souci avec les explosifs, Yann. J'adore ça. Mais t'as changé la. Non, putain, bateau. Ça nous a pas changé le serveur. Vas-y, on s'arrache. Retour, quitter la partie. Ouais. Parce que clairement, on va se faire défoncer. Ouais. Ouais, ouais. Alors, retour, quitter la partie. Ils sont toujours au centre de la map. Oh, c'est chiant. C'est ça qui est chiant avec ça. Ouais. Putain. Tu tombes sur un Reaper 5 qui a envie de te défoncer, c'est fini. Ouais, bah ouais, je vois bien. Faut qu'on regarde la map tout de suite, en fait. S'il y a du R5, ouais, qu'on veut jouer de chill, c'est ça. On aurait dû commencer par ça. On était bêtes. C'est pas grave, hein. on va rattraper le truc, quoi. Ouais, alors, on a perdu une heure, là. Hein? On a perdu une heure, au final. Une heure? Ouais. On a tenté de faire notre partie, et puis... Bah c'est bon, maintenant, Red, il est chaud. Ouais, là, ça va un peu mieux. Je commence à me remettre un peu dans le bain. Mais si, il est chaud, Red. Pas Galion. Je suis super chaud. Ouais, je répare le navire. Encore. Équipage de guilde. Hop. J'ai jamais demandé à changer de tenue. T'es sur lequel de bateau? Après Trifène, toujours? Ok, ouais, c'est bon, tu m'as invité. C'est ouais, bon, moi j'ai l'invité aussi. Ouais, c'est souvent. Ouais, puis si on se fait encore bully, on fait un autre jeu. Ouais. On va se faire défoncer sur un autre jeu, quoi. Non. Non, mais le problème de Sot, en fait, c'est que tu te prépares, tu passes vachement de temps à récolter ton stuff et tout pour au final te faire pister, quoi. Ouais, je vois bien le délire. Et encore, on a tenu longtemps la première fois. Hein. Ouais, c'est bien défendu, mais le problème, c'est qu'à 2,5, c'est chaud, quoi. Et en plus, à 2,5, nous, on vaut même pas, on vaut pas un joueur. Non, mais Mickey et moi, on vaut pas un non plus, quoi. Donc, ah bah non. Tan. Je revote alors. Collectionneur Thor et je prends une mission, mais une mission elle va être un poil moins longue. On va passer le capitaine. De quoi? Il y a un gros R5 vers le Reaper. Bon, allez, vas-y, on s'arrache. Il y a deux R5. Bon, ben, on requitte. Allez, ok. Venez, Rage kick. Quittez la partie. Allez. Attendez, je vais tester un. Je vais tester un truc qui s'appelle. Un bruitage. Pour ton stream, tu peux mettre qu'on se fait victimiser. Enfin, je me fais victimiser avec l'agent guilde. Attends, je change. Peut-être venir du monde. Si vous voulez voir des gars se faire poutrer, bah c'est chez nous. On se fait poutrer. Avec. Non, peut-être l'agent guilde se fait poutrer. Les gars, faut quitter la partie. Ah bah putain, on a mis un nouveau, nickel. Ouais, je suis invité. Ça, je me dis, je suis reparti avec un autre bateau, peut-être que ça marchera sur un autre serveur. J'ai mis, hein, j'ai changé. J'ai mis, Attends, je vois plus. Information de stream, mise à jour avec succès, super. Ça se barre pas.
J'ai mis l'agent guilde avec l'éponge, ça fait poutrer. Ah, il faut que je rajoute Mick. Éthique Mick. Se font poutrer. Et voilà, si on se fait encore victimiser, on ira jouer à je sais pas, un truc du style Animal PS2. Crossing. Ouais, ah ouais. Ouais. C'est pas une mauvaise idée. Alors, il y a qui là technique, Virgin. Let's go. Bitches. Est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre des pucelages de l'agent guild Des pucelages, je sais pas, parce que c'est pas la première fois qu'on se fait fister, mais... Ah, on est habitué, on a le cul énorme. Hein. Ah bon, ouais. Ça va alors. On se fait bien défoncer le fiac, hein, comme il faut. Tu reprends une stone, Nick ou quoi? Ouais. Pas obligé. Hein. Non, pas obligé pour ce qu'on fait. Non, bah allez, on y va comme ça, on fout le camp. Je vais me voter. Je nous mets en full chercheur d'or. Ok. Je te laisse. Je voulais dire. Je te laisse choisir la quête là. Ouais, je vais en prendre une. Ok. C'est bon, changer le titre. C'est une poutraison là. C'est une poutraison. Bye. Allez hop. Qu'est-ce que t'as fait pour qu'on ait tout le temps la chaloupe sur ton bot? Tu l'as acheté? C'est comme ça, non. Je suis sûr que tu l'as payé, c'était vraiment une petite copine. Ah. Bon, je l'aurais pas pris bleu, hein. Avec les couleurs, là. Elle est jaune. Non, tu vas voir, si tu la laisses d'une partie à l'autre sur ton navire, tu l'as encore. Vous pouvez venir choisir la quête, en bas. Ah oui, merde, c'est le... Vous voyez le nom du bateau sur le bateau ou pas? Alors... Récupérer 6 morceaux... Bah, c'est la même que tout à l'heure, ça. Ouais, je le vois. Tu vois pas? Non, j'ai pas le nom du bateau, moi. Ok. Le cap, c'est... Tout droit. Nord-ouest. Oula, y'a déjà quelqu'un qui a mis les voiles. Non. Y'a un moment qu'on parte fort. J'en ai mis qu'une. Nord-ouest, Mick. Pourquoi nord-ouest? Parce que j'ai regardé la boussole. Je sais plus comment on fait pour reprendre la boussole. Ah. Hein? Ah, c'est pas histoire. Ouais, okay. Ah oui, quête. Bah alors, il se passe quoi? T'es allé dans l'eau? Ah mais t'es déjà de retour. Ouais, je suis les baisers des sirènes. Il me semblait qu'elle était pas très belle, la sirène. Plantez vos épées. Et vous les pointez vers le soleil. Deux. Les épées, Ah, mais c'est... moi j'ai rangé mon épée. Parce qu'il y a. C'est pour la foudre. Non, parce que c'est des orages. Ouais, mais ça te défonce, non? J'ai idée. Essaye. Tu nous rediras. Comme ça? Il y a un fort. Il y a un fort devant à droite. Ah, peut-être qu'on fasse un fort fantôme là pour Aurel. Fort fantôme? Non, 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 mais c'est bon. Non, non, on fait la quête. Moi ça me va bien. Hein. Les forts fantômes, j'en ai fait 36 000, c'est... En fait... Ouais, je pense que si tu connais pas, ça va, mais quand on a déjà fait plein, c'est chiant. Ça vaut le coup de pêcher? Non. Ah ouais? Ça sort du poisson, ça fait des achievements, et ça fait de l'armure, on peut plus acquis. Et ah bon? Ouais, étonnant qu'on s'est encore pas fait foudroyer. Ouais, j'avoue. Dans ce jeu de pute. Mais regarde déjà sur la carte si je vais quand même dans la bonne direction. Moi j'ai pas de boussole. Ça fonctionne pas bien. Je lance pas assez loin. Faut attendre. Faut mettre un appât déjà au bout. Ah bah c'est ça. Pas obligé. Non non, c'est pas obligé de mettre un appât. Comment? Ça marche pas. C'est vraiment pour choper. Attendez des que poissons le poisson rares pour mettre des appâts. Mais si c'est juste pour bouffer, ça va. Bah dans la tempête tu peux avoir des poissons de ouf.
Ouais, bah là j'ai quoi? J'ai une queue éclaboussante. Ouais, super. Une queue éclaboussante ensoleillée. Ah, ça y est. Vous aviez réparé ou pas? On est sévèrement en train de couler. Oh mais non, il m'a cassé ma ligne. Mais arrêtez, moi je suis à la barre. À vous de vous occuper du bateau. Non. Bien sûr. Alors on est en train de couler là. Ah, j'avais entendu tout à l'heure. On avait pété un peu le bateau, mais ça va, il y avait qu'un trou. Moi, si le cap est bon, moi, parce que moi, je peux pas lâcher le... Ouais, j'ai regardé ça. Un peu stun. Pas réparé ? Le cap, ça dit quoi ? Ok, c'est bon. Y'a plus d'eau. Ouais, ça va, le cap. Après le rocher... Tu le vois, le rocher, là ? Ouais. Ah, tu prends... Bon, je vais te donner le cap. La boussole, elle est folle, là. Ouais, bah oui. Le marteau. Tu prends à gauche, là. À gauche, à fond. Ah, c'est peut-être ce fil, là. Le bout de l'eau, là. Je sais pas. Under. Tu regardes la boussole ? Ouais, vas-y, j'y vais. Et je vais sauter sur l'île, moi. Bah, faut peut-être gaffe. Arrêter le bateau, là. Pourquoi tu sautes sur l'île ? Bah non, tu files. De quoi ? Bah, c'est peut-être ce fil-là qu'il faut qu'on s'arrête. On arrête le bateau ou pas ? Lève les voiles. Lève les voiles. Ouais, y a du squelette là. Ouais, c'est style. La boussole, elle est contente. Elle est contente. C'est normal, on prenne l'eau de ouf et qu'il y ait des trous dans la coque. Je sais pas, non. Attends, c'est une tempête quoi. Ah, c'est la tempête. Hein. Mais pour personne répare, pas de problème. J'ai besoin d'être 13. Sérieux ? Crème. T'as pris la foudre ? Ah non, j'ai fait sauter un tonneau explosif. Ah bah voilà, puis c'est moi qui ai un souci avec les kegs. Tout à fait. Ah mais lui, il a pas fait exprès. Je me demande si c'est pas un mât qui a pété. Bah, là. Si, j'ai fait exprès, mais... C'est pour tuer des squelettes. Non, le mât, il est nickel. C'est pas là-bas. J'ai entendu un crack tout à l'heure. Bah c'était dessous, hein. Moi j'ai réparé, il y avait un trou dessous. Ouais, non mais... Bah, du coup tu t'es démerdé Aurel apparemment. Bah je suis mort quoi. Attends, mais en face que je les canonne, Mick, les merdiers. Bah non, on y va comme ça. C'est tout mort. Bah je sais pas, il y avait un tonneau de poudre au milieu des squelettes et j'ai fait exploser. Donc théoriquement les squelettes qui étaient autour... Ouais, tu les as keg. Ouais, c'est un peu ça. C'est l'idée quoi. Pourquoi on avance encore là ? J'ai mis le. T'as mis le pilotage automatique ? Le harpon. Ah non, mais on avançait, il y a une diaboine ? Non ? Bon bah, du coup, moi j'étais sur l'île et maintenant je suis sur le bateau. Ouais, normal. Quand tu repop, c'est toujours comme ça. Non, non mais j'ai pas repopé, moi. On m'a repopé. Non, mais c'est parce que je t'ai repopé. Ouais, Nick. On va récolter ça à la main. Et du cochon sur l'île. Ouais, y a plein de petits cochons. Et du coup, tout est bon dans le cochon, non ? La viande. Bah ouais. Évidemment. Comment on ramasse hein ? Ah mais je suis plein, c'est pour ça, je peux pas le ramasser. Okay. Ah, je lui ai enfilé une balle dans le fiac. Il est mort ? Ah bah là, ouais. Ça fait une côtelette. Regarde, quoi, nous ça. Ah tiens, il y a de la mangue ici. C'est vous qui avez la caisse... La caisse de quoi ? Comment ça s'appelle ? La caisse où on met tout le stuff. On a acheté ? On n'a pas de caisse de stock. Ah bon ? Ok. Et on en a une. Ah bon ? Ouais. Sur l'île, il y en avait une, je l'ai ramassée. Ok. Eh ben, vous pouvez faire le tour des tonneaux, il y a des trucs intéressants. C'est fait. Je viens d'y faire. Impec. Vas-y, harponne-nous tout ça. Ouais, il n'y a personne. Si, moi je suis là. Bon. Vas-y. Voilà. Nice, let's go. Let's go. Hop, j'ai la côtelette. Ah mais je suis plein. Y a quelqu'un qui peut choper la côtelette ? On repose là dans la caisse de stow ou dans autre chose ? Non mais je peux pas la prendre.
Elle est au bout du harpon. Quelque chose que t'as sur toi. Ah, elle est au bout du harpon. Attends, j'arrive. Elle est dans la caisse de store. Sa mère. Qu'est-ce que tu fais? Tu la connais? Eh oui. Super bien, même. Ouais. Donc elle est trop gentille, en plus. Bah, c'est une nana qui a de la profondeur. Ah, on peut déjà ouvrir le coffre. Hop là. Sérieux? Hop. On a la clé? Ouais. Ouais. Encore? Et voilà. Trop bien. Bon, ça, faut y vendre. Oui. Dès qu'on peut. Dès qu'on passe à côté d'un truc de... Faut qu'on mette les trucs dedans. Faut mettre qui dedans? C'est bon, c'est dans bon. Le coffre. C'est fait. Non c'est fait. Ah non mais non mais moi j'ai mis un truc pas dans le coffre. Ok. Fermé, hop, fermé. T'as des trucs à cuire ou pas Oral? Non, il y avait juste la côtelette, mais elle était au bout store. Du. La caisse tu l'as récupéré la côtelette? Dans la caisse de sto. Moi j'ai rien à faire cuire hein. Juste choper une côtelette c'est tout. C'est pas moi qui l'ai ramassé. J'ai tellement vendu des côtelettes et du poulet que mes achievements de vente de poulet et de côtelettes ils sont au max. Ouais. Ah, je suis à fond là-dessus, mais j'ai même pas checké les achievements poulet. Il manque 8 serpents pour finir le serpent. Après, c'est requin kraken. Moi, si c'est j'avais un achievement végétarien, je pense que je serais au max. Dans répute, tu as dans quoi Les le chasseurs, de... appel du chasseur. Et tu vois quoi là? Usine. Plus mais l'autre fois je l'ai vu. Ah ouais j'avoue. J'avoue, je suis pas mal mais je suis encore loin. Alors elle t'es où? Tiens, mange ça. Attends. Comment qu'on fait pour Comment je fais pour choper Vérifier ton la truc? Boussole. Comment je fais? Bah, faut que t'aies de la place. Ouais, je sais pas si j'ai de la place, hein. Je pense que j'en ai. Là. Mais j'arrive pas. Tiens. Non, mange-la ta coco à la pire. Voilà. Si tu prends mon merdier. Je peux pas. Tu le bouffes. Ouais, ça marche pas. Ah, t'arrives pas à le poser par terre? Je te le mets dans la caisse de sto. Putain. Ouais. Je suis vraiment trop nul. Ouais. Ok. Pourquoi je peux pas la prendre? Ah, ça y est. Tu dois être full. Non, mais j'arrive pas à la choper. C'est quoi cette merde? C'est parce que tes 5 emplacements ils sont full. Vas-y. T'arrives à la reposer? Voilà. Ah, ça y est. Je t'en ai mis 2. Donc faut en manger. Faut le manger en entier, c'est 2 moitiés. Vas-y, rebouffe. Et puis tu vois, ta barre de vie. Autour de la tête de mort, t'as un petit quart de... Ah oui, ça y est, je vois. Qui monte, tu vois. Et ben, ouais. Le médaillon, faut qu'il soit complet. Et du coup, quand ta vie, elle est incomplète, au bout de quelques secondes, ça va aller chercher là-dedans pour remonter ta vie toute seule. Ah, d'accord. Ah, ça te permet de tenir un peu plus encore. C'est pas vraiment encore une armure. Ouais. Ça te fait de la reste, donc faut que t'en bouffes 4 moitiés et puis tu seras full. Ouais, en vrai, il faudrait qu'on se fasse des réserves de bouffe, quoi. Ah, moi, c'est ce que je fais tout le temps. Moi, je suis le cuistot du bateau. Chier, j'ai creusé à l'endroit où il y avait le truc, mais je sais plus où c'est. Mick, la boussole, elle indique pas du tout. Bah, c'est normal. Ah, c'est parce que t'as déjà trouvé. J'ai déjà chopé. Ah, bah, j'en sais rien, tu communiques pas trop de balles. C'est vrai qu'avant tu communiquais plus que ça. Mais en un mot ou en deux mots plus. Hein? Non mais avant tu nous disais toujours ouais faut faire ci, faut faire ça et tout, mais maintenant t'entends même plus pour ça quoi. Vous faisiez chier avant? Non bah pas du tout, je trouve que c'est bien qu'il y en ait un qui gère mieux que les autres tu vois. Parce que moi concrètement des fois je sais pas ce qu'il faut faire donc... Les ponts, je reviens. Oh putain! C'est ce qu'il faut? Un rocking! Ah ouais, c'est pas du tout là. Ah, c'est bon, il a pas eu le temps de me shark. Yann, tu peux le tuer?
Le requin, faut qu'on en fasse. On en fasse quoi ? De la bouffe ? Ouais. Je vois plus. Hein. Ici, là. Ah, si. Ah, il est mort. Il est décédé. C'est nul. Ça te donne juste ça de bouffe, quoi. Hey, il y a du monde là sur le côté là, sur le teco, à gauche du bateau, à tribord. Sur l'île. Ah non, c'est des fantômes. Ouais, sur l'île. Les fantômes. Oh, c'est trop peur. Putain, j'étais déjà en PLS. Carrément pareil. J'ai fait le tour des coffres là. C'est sûrement de l'ananas ici. Vas-y, on fait des 3-6 avec le bateau. Bon, je vais faire le plein avec les caisses de sto. Ah, fais chier. Non, mon serpent qui cuit. Vas-y, tout le monde dans le bateau, on y va. Ah, c'est bon, on est dans le bateau là. Tu veux qu'on mette les voiles? Allez, hop. Et qu'on a le cap. Il y a du char. Attention, devant il y a un caillou. Non, on est passé à côté déjà. Ah, bon, ça va. Moi j'aime bien faire des bisous aux cailloux. C'est de la sylvothérapie de cailloux. Je sais pas, ça doit s'appeler de la caillouthérapie. Caillouthérapie. Bah, après il y a plein de gens qui achètent des cailloux pour leur soi-disant bienfait. Ah, je sais pas. Ouais, c'est de la gémologie. Ouais. C'est des cailloux qui brillent bien comme il faut quand même. Après voilà, hein, tu crois pas, mais. Ah non, pardon. La gémologie, c'est l'étude des pierres précieuses. C'est d'accord. Les diamants, les saphirs, les ok, émeraudes. Pardon. Cela, tu peux y croire. Pareil, un investissement là-dedans, ça marche. Hein. Bon, c'est pareil, hein, c'est le même délire. Ça vaut 10 000, ça vaut pas des 1000, c'est toi qui décides. C'est le même délire que les NFT. Il y a des tonneaux là à gauche. C'est dans Harpon. Enfin, Harpon, ouais. C'est un peu passé, quoi. Ah oui, je l'ai eu. Ça, c'était là. On s'arrête là. Ok. J'ai mis de la bouffe vite en bas dans les tonneaux. Vous servez si vous avez besoin. Et là, moi, j'ai buté le gros. Ouais. Ah ouais, déjà. Ouais. Relever complètement. Oui. On est bon là, non? Mais pourquoi c'est ancré? Bah parce que. Personne suivait, donc du coup au moment où je me suis rendu compte que c'était là, les voiles étaient full. Et Aurel, on pose oui. Le navire avant de se sauver. Ah pardon, ah bah, je me suis sauvé déjà moi. Ouais c'est pas grave, vas-y, va chercher le coffre. Bah, je sais même pas où il est le coffre. Moi je suis là pour buter des gars moi. Ta boussole. Aurel, peu importe le jeu auquel il joue, faut qu'il juste qu'il bute des gars. Il est plein des... Plein d'électricité celui-là. Bien joué Yann. Ah, putain bah trop pas. Non en fait c'est plutôt bien parce qu'il y a du stuff dans la flotte. On va aller le chercher. Ah il y a des kegs. Ah bon on va pas aller le chercher. Bon très bien. Pourquoi ça meurt pas? Ah ça y est quand même. C'est quoi ce stuff là? Bon ils sont morts. Ah, y a un crâne un peu sympa. Ah, la ramène sur la côte. Faut trouver le coffre. Alors, vas-y, Aurel, on te laisse le faire celui-là. Sympa. Ah, je crois que je suis dessus en fait. Non bah, dès que la boussole elle tourne en rond, c'est que t'es dessus. Et tu prends ta pelle, tu creuses. Ah, mais je crois que c'est bizarre parce que quand j'avance, ça tourne. Ah, je pense que c'est par là. Faut qu'elle tourne sur elle-même la truc pour que ce soit ça. Ah non mais là, c'est chelou. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé. T'as alors, l'appel. Et joué. Ah mais putain, mais ils viennent, j'ai plus de munitions, moi. Pour ça, faut toujours être à l'épée. Ah mais l'épée, j'ai plus quand on joue avec les gars, sinon c'est épée tout le temps. Regardez, c'est pratique. Bah en fait c'est illimité sur tout ça qui est cool. Bah ouais. Moi
besoin du coup, faut que je retrouve des munitions. Il y a pas une petite caisse de munitions par là, par hasard? Oh bah c'est dans le bateau là, on est bon. Yann, les munitions que t'avais apportées, elles sont bien ou pas? Pas les caisses. Munitions. Ah super. Non, pas les munitions, les... Ouais, bah les caisses que t'avais trouvées, trop bien. Ah, il y a un cochon là. Je un balle, tu là. Les as apportées, ouais, nickel. Ah, ce qui est nul, c'est qu'on peut pas mettre de coups de poing, quoi. Non. C'est épée. Petit coup de poing, quand même. Un petit bourre-pif. C'est bon, t'arrives à tout récupérer, là? Tu te mets à la caisse de sto. Tu attrapes la caisse de sto. On va aller chercher les barils de Yann, là-bas. Ok. Et en fait, dès que j'aurai un baril, tu mets tout dans la caisse de sto. Là, vas-y, le baril, là, tu mets tout dans la caisse de sto. T'es où? Bah, je suis là. Ah, mais t'es où, toi? Ah, mais tu parlais de là-bas? Non, moi, je... Bah oui. J'ai rien compris, moi. Bah, je fallait venir avec moi. Je suis pas avec Yann. Bah, en fait, j'étais persuadé que c'était toi sur l'île. Ouais. Je comprenais pas. Alors, okay. J'arrive. Qu'est-ce qu'il faut que je prenne? Ce qui est sur le harpon. Sur le harpon. Ah, ok. C'est pris. Et tu fais stocker, pas jeter. Hein. Non, c'est bon. Ah, merde. Ouvrir. Ok. Bon. Tiens, j'en ai un autre là. Ah, attends. Ouais. Il y en a trois en fait à faire. Pièce, prendre, c'est bon. C'est bon. Intéressant. Je sais pas, je vais pas regarder dedans. Je crois qu'il y a rien. Non, il doit y avoir des trucs. Bah, regarde ta caisse de sto maintenant. Ça a pas l'air ouf en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y a des trucs de ouf. La boussole, ça dit quoi? Tout droit. Ah mais non, c'est pas la c'est bonne. Quoi, à droite. Ah mais si, il y a des trucs du Kraken. Ah non, cool, Zelayan, il va être content. Ah ouais. Et du cochon grillé. Cuit déjà en plus. C'est cuit? Je crois que c'est cuit, ouais. Ben, je crois. Mets-y dans la caisse et puis on vendra à qui veut droit. Il y a de la bouffe cramée, même. Bon, ça, j'y prends, j'y range. Oh, 25 pièces anciennes propres. Ah, ça va, on a pas mal de bouffe en fait. Ça cuisine bien. Ah, Yann, c'est un fanat de la cuisine. Depuis qu'il y a les deux plaques de cuisson, je suis refait. Il est refait. Non, mais depuis que j'ai compris que ça faisait de l'armure et tout, c'est quand même plus agréable. Bah, j'avoue, de commencer avec ça, c'est cool. Question, vous avez entendu gauche, parler là les voiles. Hein? Lève les voiles. Lève les voiles? Ouais, lève les voiles. Deux. C'est quoi la question? Est-ce que vous avez entendu parler de ce jeu un peu style. Pokémon, ouais. Ouais. Genre, ça a l'air d'être un jeu de survie, a priori. Ouais, ça mélange un peu tous les genres, mais je sais pas. Enfin, moi, je crois que j'ai passé l'âge pour les Pokémon. Ouais. J'étais déjà pas fan. Je veux pas faire le vieux con, mais c'est que ça m'intéresse plus, en fait. Ok. Enfin, moi, j'ai... C'est sur quoi? C'est pas ma génération. Sur PC, sur PC, sur Steam. Ouais. Okay. A priori, ils ont fait des records de joueurs jouant en même temps, quoi. Apparemment, ça ressemble franchement à Pokémon déjà. Oui. Ouais, clairement. Ça a l'air bien pompé comme Jaja. Mm. Clairement. Bon, allez, à moi de trouver le coffre. Harponne déjà. Il est par là. Okay. Là l'île est grande, hein, ça va être drôle. Il va falloir qu'on trouve le coffre, c'est ça? Ouais, mais là avec les... Comment ça s'appelle? On se fait pas attaquer par la boussole, ça va tout seul. Ouais, j'avoue, là l'île, on s'est pas fait attaquer, ça m'arrange. Badaboum. C'est quoi qui a explosé? Badaboum. C'est le bateau. C'était quoi ça? Bien ouais, je... Ah, vous avez trouvé? Ouais, je pense. Ah,
comme ça qu'il faut faire. La relique, hein ? Juste, il y a une petite relique juste là par terre à récupérer. Ah, ok. C'est récupéré. Mick, tu fais un petit tour avec la caisse de sto ou tu te caresses ? Non, c'est bon, je me caresse. Je préfère. Bah, c'est plus agréable. J'ai mis un petit peu qu'on en profite. J'avais pas compris tout de suite. Ouais, moi au départ je disais putain, mais il est. Je comprends pas. Eh hey, wow, ça va péter là. Putain. Le gars, je crois que je vais lui offrir de la dynamite pour son anniversaire. Allez. Avec plaisir. Bah, rappelle-moi de pas être là, hein, parce que vu le temps que ça a dû pas exploser dans le jeu, faut pas que je sois là le jour où tu lui offres ça, ça va péter dans la demi-heure. Ah, putain. Plutôt que je le vois, je fais péter une balle de snipe. Hein. Je suis suivi par des pourris, là. Des pourris ? Ouais, des gens en squelette. Ah, bon, bah les couilles. Ah, bah tu l'es ? Bah, c'est pas ça, droit, c'est que hein, je suis en train de transporter un truc, du coup ça me fait chier de les buter quoi. Ah, non, mais bah, on se casse. Ouais, mais ramène le truc que tu transportes quand même. C'est un coffre, un truc sympa. Un keg. Par exemple. Bah, le keg, je peux dire, il aurait de la péter. Hein. S'il se fait poursuivre par des squelettes et qu'il a un keg dans les mains. Quand tu racontes ça, souvent ça dure pas longtemps ta vie. Bon, allez, c'est bon. Il y en a encore. Plein. Pas des kegs, les gars qui te poursuivent. Ouais, mais là j'ai plus de munitions. Hein, donc. Ah, une bourse de munitions. Il suffisait de demander. C'est bon, Nico ? Non, il faut qu'on ramasse encore. Il y a encore un truc là à ramasser. Alors, pas moi, mais. Le stuff. Ah, bah t'avais pas fini ta phrase, donc je me suis dit. Ah, j'ai encore un truc à ramasser là. Je vous ramène un machin là. Un coffre de je sais pas quoi. Vous tirez sur quoi là ? Oh, je sais pas, je l'ai pas vu le truc que tu voulais que je harponne. Là, c'est quoi, ouais, là. Je l'ai pris, là. Je l'ai pris. Le cochon il. Il cavale le cochon. Il esquive toutes les balles de snipe. Quel enculé. Allez. Elle est partie ? Sauce. Ouais. Ça veut dire quoi ? Sud-ouest ? Sud-sud-ouest ? Non. Sud-est. Effectivement. Effectivement. Putain, j'ai joué avec un mec. Je lui dis, ouais, tu as d'habitude de jouer quoi ? Je dis, bah d'habitude, je joue barreur. Enfin, non, barreur, c'est moi. Je fais, ok, je te laisse. Le mec connaissait pas sa droite de sa gauche. Et c'était lui le barreur. Ouais. Ouais, peut-être qu'il est bon pilote. Ah non, c'était qu'une merde. Après, j'ai commencé à jouer, puis après, franchement, j'ai vu qu'il gérait pas, j'ai pris la barre, j'ai joué. Et il a dit, ah, tu joues la barre aussi bien que moi. Et je lui ai répondu, j'aurais plutôt dit mieux que toi, mais... Tu lui as dit ? Oui, je lui ai dit. Il a dit, ah, c'est pas gentil. Je fais, ah non, c'est réaliste, gars. C'est pas gentil. Attends, puis juste avant, fallait expliquer à... Il y avait un gamin avec nous et il savait pas ce que c'était un mât. Ah. Et je lui ai dit, bah, c'est le bâton qui est, c'est le bout de bois qui est au milieu. Et bah voilà, bah, un chat. C'est comme ta bite. Après, à la rigueur, qu'ils connaissent pas le cabestan et qu'ils nous disent, on va s'ancrer, ça me dérange pas. Mais ne pas savoir ce que c'est un mât ni la barre, ça pose des problèmes. Pourquoi fend ta mère ? Bah parce que ça fend la mer. Fend ta ouais, mère. J'avoue, c'était nul. C'est hyper nul. Ouais, mais je voyais pas quoi mettre. Mais en fait, ta mère, c'est écrit comment déjà ? Ta mère. Non, mais pour moi, c'est une nouvelle marque de Pepsi. Enfin, c'est une. Ouais, c'est, ouais, voilà, ouais. Mais c'est un Fanta à l'eau de mer. Voilà. Et mer, c'est M-E-R. C'est un nouveau soda, quoi. Moi, c'est, après, remarque, ouais, ça peut cartonner, hein. Ouais, je vais te montrer un truc qui est complètement indispensable dans ce jeu.
De quoi? Pourquoi j'ai ma chape à la con là? C'est la nouvelle saison. Casse les couilles. Tu veux faire quoi? Tu voulais vomir dans ton bas, dans ton seau? Mais faut pas spoiler. Tu voulais vomir. Ouais, tu saurais pas. Ah, tu veux vomir? Je vais te montrer un trix. T'as canne à pêche? C'est un putain de trix. Bon, faut attendre un peu. Faut boire des gros canons. Ouais, faut que tu. Après, tu non, vas me gerber c'est dessus. C'est de la viande quoi. Crue. Non. Ah plus oui. Drôle. Non, c'est plus drôle que de boire des gros canons. Je sens que ça va être crade. Ah, reste avec Yann. Non, mais je sens que je vais avoir l'écran tout ouvert. J'ai pas envie. Moi, je me casse. Je vais aller voir une sirène. Ça va? Ça gerbe bien? Encore? Je sais pas, je sens que c'est la cata qui arrive là. C'est l'apocalypse. C'est le coma éthylique là. Non mais là. Là, tu bois comme un trou quoi. Ah, oh, les voiles. On lève les voiles. Ah mais c'est dégueu. Ah ça te fait dégueuler en plus. Mais j'ai dégueulé aussi. Ouais. Ça te attends, est-ce que je peux prendre un saut de vomi? Ah putain, Yann. C'est dégueulasse. Et si tu sautes dans l'eau, ça lave instantanément ou pas? Ça enlève le. Vas-y. Revomis-moi dessus, que je saute dans l'eau pour voir. Non, putain, ça laisse la saleté sur les coins. Moi, ma question, c'est plutôt, si tu vomis suffisamment dans la cale, est-ce que tu peux couler ton bateau? Non, ça marche pas. Voilà, t'imagines combien faudrait vomir. Je vais arrêter d'être bourré. Ça serait drôle. Dans l'eau. Ouais, tu vois, il y a un trésor au fond de l'eau. Je fais aller chercher ça. Ah, c'est une arme. T'as buté une sirène? Non, je sais pas, il y a des types là. Là, c'est un capitaine ça, non? Ah non, gardien des cendres. Ah, vas-y, bute-le. Bah, j'ai déjà mis plein de balles, hein, mais il est pas mort. Hein. Ah, mais c'est un coup plus dur. C'est... Ok, c'est bon, il est mort cette fois. Là, il y a une clé, cendre, une clé de cendres et. Ah, il y a une lettre aussi. Ouais. Une note du gardien de cendre. C'est un fantôme? Ah non, c'est la bulle que j'ai envoyée. Si vous voulez ramasser les trucs. T'as trouvé la. Là. La lettre. Non, j'ai trouvé une lettre. Ouais, tu l'as? Ouais, qu'est-ce que je fasse? Ah, c'est bon. Quête obtenue. Bah, tu fais A spacebar. Non, il l'a pas trouvé. La boussole, elle est folle. C'est pas ça? Non. Là, il faut creuser pour trouver un morceau de carte, en fait. D'accord, attends, je vais chercher. Agathe, c'est là où t'es? C'est là où je suis? Aurel. C'est là où je suis. Là, Aurel, il y a. Ah putain, il y a plein de monde maintenant. Ah oui. La clé, elle est où? Elle est là. Est-ce qu'il pourrait nous donner des... Bon, j'ai eu le parchemin. Genre des trucs pour tirer. Tu as le squelette, là, il y a un squelette. Il y a des fantômes aussi. Moi, je cherche des munitions. Putain, j'ai pas de munitions, les gars. Ah, c'est bien, le coffre et les clés sont au même endroit. Je pense qu'il y avait pas assez de gens qui... C'est des munitions, ça? Ah non, c'est des bananes. Ils ont simplifié ça aussi. Ouais. Sérieux, le jeu il devient vraiment nul. C'est dommage, je trouve. Ouais, ils enlèvent toutes les quêtes qui sont intéressantes. Des difficultés. C'est bon, t'as eu le truc ici? Ouais, c'est bon. Bon, moi j'ai pas trouvé de munitions. Le jeu il a plus d'intérêt si t'enlèves tous ces petits trucs là, sans déconner. Est-ce tous les trucs qui t'obligent à jouer vraiment longtemps avant de réussir Mais ça oui.
Ouais, mais là, les coffres cendrés, avant d'avoir un coffre plus une clé, c'était déjà rare. Je me demande si j'ai pas oublié un truc qui cuit dans la cale, là. Il y a quelqu'un sur le bateau. Attends, je vais aller voir. Il y a peut-être un mamie qui est déjà allé. Non, il y a rien du tout. Ok. Allez, let's go. On a tout pris, let's là, go. Sur le... Sur l'île, il n'y a plus rien. Tu vois un truc qui bouge, ça doit être de la merde. Tu veux pas charger la chaloupe du turcu, là? Elle est dorée, la mienne. Je peux la tester. Il y en a un qui a testé le jeu que j'avais mis sur le Discord. Lequel? La Zizi Kaka mixtape. Ah non, je peux tester, mais ça a l'air déjanté ce truc. Ah ouais, c'est assez marrant. Ouais. Ah, tu pars, mais. Ah non, c'est une bourse. C'est bon? Ouais, le jeu il a l'air bien débile. C'est un genre Final Fantasy-like. Ouais, c'est un RPG avec que des conneries, quoi. Oui. Mais c'est excellent. Ah, ça va, c'est plus calme sur ce serveur. On se fait moins défoncer. En plus, on fait juste chercheur d'or, quoi. Mmh. Ouais, tranquille. J'ai une question. Il n'y a pas un de vous qui a genre une vieille Game Boy Advance qui joue? Moi, j'ai une GBA SP, moi. Une Game Boy Advance SP? Ouais, j'ai la SP, c'est celle qui se referme. Ouais, ouais, je vois. Je vois. Faut là, je regarde s'il y a des... Tu l'utilises encore? Ouais. Ok. Enfin, je peux te la prêter. Non, mais je... Mais oui, en fait, elle sert encore. Je cherche des consoles pour faire des mods dessus. Ok. Genre des consoles que je peux acheter, genre pas cher, parce que les gens ils s'en servent pas, ou l'écran est pété, ou j'en sais rien. On lève toutes les voiles. C'est l'île qui est là. Je sais pas comment on fait pour monter, mais elle est haute. Et qu'est-ce que tu veux modder sur une SP? Bah, sur une SP, je sais pas. Sur une SP, je pense que tu peux changer l'écran. Mais faut que je regarde les mods qui sont possibles sur la SP, je connais pas, je suis pas sûr. Tu veux modder le hardware? Modder, bah tu modifies un peu le hardware, ouais. Okay. L'idée c'est d'améliorer la machine. Parce que moi je l'avais déjà, je l'avais homebrew déjà. C'est-à-dire? Bah du coup je pouvais mater des vidéos dessus, enfin je l'ai jailbreak si tu veux. Ah ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et puis l'écran sur la SP, il est déjà amélioré par rapport à la version de base. Ouais. Ouais, en gros, tu veux te lancer dans... Bah, les gars qui font ça, faut déjà, je pense déjà savoir réparer les consoles, en avoir bouffé quelques-unes, et après, ça te permet de modder un peu. En impression 3D, ça te permet de... Enfin, si t'as une imprimante, de faire quelques modifs et tout. Mais il y a un mec, je sais pas si t'as vu, il a fait une Xbox 360. Oui, bah, je le suivais avant qu'il fasse ça, lui. Ouais. Pas mal ce qu'il a fait le mec. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Oh, mais j'aime bien regarder des trucs comme ça de modage ou enfin voilà, de réparation de matériel informatique et ouais, j'aime bien. Ouais, j'aime bien aussi. Il y en a qui sortent les doigts. J'ai vu un mec, je pense que tu l'as vu aussi. Il a modifié une GameCube. Ouais. Il a foutu une batterie et un projecteur à l'intérieur. Sérieux? Mais j'ai pas vu ça. Pour qu'elle soit portable. Ok. Parce que vraiment, il s'est fait chier, le mec. Hein. Bah, c'est surtout qu'il s'est fait chier parce qu'il y a un mod qui est sorti, je crois que c'est un vrai accessoire de Nintendo que tu peux mettre sur ta GameCube et c'est genre un écran LCD que tu peux mettre directement dessus. Ouais. Direct dessus? Ouais. Du coup, je sais pas pourquoi il s'est fait chier. Il a un petit projecteur de merde, mais pour le challenge, c'était pas mal quoi, comme idée. Après, sur la GameCube, il y a moyen de faire des trucs pas trop mal. C'est une console qui est pas marché, quoi, mais... elle est vraiment sympa, hein, cette console. Mais elle est plutôt bien. Tu mets Harpon, s'il te plaît. Ouais, Aurel. J'arrive. Bah, si tu veux, le mec, il part du principe que la GameCube, telle qu'elle a été conçue, bah, tu sais, elle a une petite poignée et tout, t'as l'impression qu'elle a été faite pour être portable, pour être emmenée... Oui. Des potes et tout, donc il s'est dit, bah en fait, faut la faire... vraiment portable. Genre, tu peux jouer. Vraiment, quoi. Complètement mobile, quoi. Ouais. Vous avez récupéré le morceau de carte ou pas? Ouais. Je sais pas. Okay. Nord-Est.
Et on bah, est parti. Harponne-moi parce que j'ai un crâne de capitaine. Ah, trop bien. Attends, moi j'allais tirer dessus, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Harpon. Oh putain. Merci. Ouais. Ah merde, j'aurais pas dû bouffer l'ananas. Bon, c'est pas grave. Mais je regarderai par curiosité ce qu'il y a sur, sur l'ASP, s'il y a des mods sympas au niveau hardware. Ah, du coup, tu t'es fait plaisir là au Japon. J'ai la 64, là. La Super Nintendo, la Nintendo 64, ah, plein de jeux. T'as pris plein de jeux, c'est tout des dingueries. Ouais, oui. Après, ouais, en fait, j'ai regardé les classements et je cherchais les jeux en fonction des classements des meilleurs jeux. Et t'as réussi à choper les versions Europe ? Non, non, c'est que des versions japonaises. Okay. Du coup, j'ai des consoles japonaises, du coup, voilà. À part ouais. les jeux. Non, mais par rapport à la langue. Ouais, bah après, tu t'en c'est fous. C'est que en Jap ? Ouais, c'est que en Jap. Bah, mais à la ça limite. Ça dépend c'est... si tu fais un RPG que c'est que du texte, c'est relou quoi. Oui, ça peut être relou, mais on a quand même Google Translate maintenant sur tous les téléphones, et en fait, tu mets sur caméra et ça te traduit quasiment instantané ce qui est noté. Donc. Donc non, il y a toujours des solutions en fait. Ah bah on a fini là, il n'y a plus que la carte. Ouais, là Aurel, en fait, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on a chopé des morceaux de cartes. Ouais. Et qui, bah du coup maintenant, font une vraie carte. Et après, il faut juste la retrouver sur la grande carte qui est en bas. Ok. Et après, il faut se diriger dessus, et puis il y a une croix rouge. Et à cet endroit-là, on creuse. Ok. Et on va trouver une clé. Et comme des bolos, nous la clé, qu'est-ce qu'on fait? On la vend. Alors qu'en fait, ça te donne la cache où il y a énormément d'or. Et du coup, nous, les deux, trois points fin, on a dit « Oh, la clé, elle est trop belle et tout, on l'a vendue, c'est trop bien !» Et les gars, ils ont fait « Mais vous êtes cons !» Vous avez loupé le principal, quoi. Même, c'était pas clair qu'il y avait quelque chose à faire avec. Elles sont trop belles, ces voix, je les aime trop. Bon, il y avait un truc qui était cool quand même au Japon, c'est que le yen, il est en ce moment, il est pas fort du tout. Du coup, t'as les moyens de te choper pas mal de trucs, beaucoup moins cher que chez nous, quoi. Bonjour. La blague, elle a marché de ouf. Oh, c'était pour ponctuer. T'as fait quoi comme blague ? Le keg. Bah... bien ça sur sur cette derrière toi on peut lever les voiles. Mais c'est des bruitages que vous faites dans le jeu? Non c'est sur le local, sur le Discord. Ah d'accord, putain, je comprenais pas. Ils ont mis des trucs comme ça sur Discord, bâtard. Hein, c'est pas ça. On récupère le petit calice au moins. Justement, c'est ça que je disais. Ah non, je l'ai même pas eu. Ah non. Vas-y, Aurel, trouve-nous le truc. De quoi ? La carte, là. Quelle carte ? Bah, tu sais, là, Aurel l'a trouvé. Les fragments de cartes. Ouais. Eh bah, faut que tu regardes la carte. Sur laquelle on est. Et que tu trouves où est-ce qu'il faut creuser. Ok. Vas-y. Ça a l'air pourri, votre truc. Non, on veut juste y faire parce que nous, on l'a déjà fait 12 000 fois. Ok. Tu regardes comme est la carte, comme est l'île. Et tu trouves où est-ce qu'il faut. Faut creuser à l'endroit où il y a la croix, quoi. C'est une carte de pirate. Le truc. Non, mais c'est pas là. Non, c'est carrément pas là. Les gars, ils se foutent de ma gueule en plus. Attendez. Là, il y a le rocher à la con. Là, comme ça. Donc, c'est de l'autre côté. C'est ça, faut trouver des repères. C'est de l'autre côté, c'est entre là et là. Bah, j'étais pas trop mal. Hein. Ça dépend, t'es où? Ouais, je dois pas être loin. Non, t'es pas au bon endroit. Comment ça, je suis pas au bon endroit? Pas au bon endroit. Regarde ta carte. Ah là, je fais le méga plein. Par là. Parce que après, les gars, là, y a le machin. Très bien, on fait du PVP. Là, y a le machin. On a toute la viande, on a tout ce qu'il faut pour ce fight.
Regarde Aurel, le gros caillou là. Là qui est ici. Attends, caillou qui est là. Ah, c'est entre les deux là. Non. Non, viens là. Mais laisse-le faire tout seul, tu comprennes. Non, mais je lui montrer où il y a. Le... Regarde, non, mais tu attends, vois, peut-être que je me. Il y a un gros caillou qui est dans l'eau. Si tu le dis, il va pas comprendre de lui-même. Ouais, c'est bon. Là, le caillou de. C'est bon, je l'ai. Non, mais c'est juste que la map, je regardais ça pas dans le bon sens, quoi. Voilà, donc c'est par ça. Là. Faut que tu prennes ton épée, parce qu'il y a des gars qui vont te buter. C'est bon ? Je peux y aller. J'ai eu un hit reg là. Les plumes de la poule ont volé, il n'y a pas eu le hit marker. Clé de Kraken's Fall. Bon, on est bon là ? Hors découvert. Alors en fait, là, regarde. Ouais. On a trouvé ça. La clé, t'es où ? T'es là ? Je suis là. Hein. Ah oui, là, regarde. On a trouvé cette clé là. D'accord. Et là, tu regardes dessus ce qui est écrit, je l'ai posé au sol là. Alors, le requin patiente dans les rochers isolés près des palmiers sous la grande épine rocheuse de l'île. Ok. Yann, la Kraken's Fall, c'est quoi l'itinéraire ? Ah, c'est là. Plein sud. Ah, ok, j'ai trouvé. On est pas loin. Non, on n'est pas loin. Quête de bébé. Non, pourtant, j'ai pris une longue, hein, celle avec les 6 trucs à aller chercher. Donc en fait c'est ça, la clé elle dit que c'est la clé de Kraken's Fall, faut déjà aller sur League Kraken's Fall, et une fois que t'es à Kraken's Fall, et ben tu lis l'inscription et ça te donne l'endroit où faut ouvrir la cache. Ok. On te la laissera chercher une fois qu'on arrive à Kraken's Fall, on va te laisser chercher la cache. Elle est où la statuette ? Elle est sur le pont au milieu, derrière le canon avant, okay. Arrière droit. Je vais la mettre sur le bureau. Ouais. T'as vu que j'avais mis un skin bureau, un skin lit et un skin drap ? Ah ouais. Oui, il marche pas, moi j'ai acheté que des trucs rouges. Là, le bateau il est vert. Voilà, cette partie, je pense que j'ai fait des gros achievements en termes de cuistot. Et je vais garder ça comme bouffe. On arrive à la fin, mettez-vous full armure et puis ouais. Prenez un peu de bouffe, il y a de la mangue, il y a de la grenade en stock. Ouais. Attends, moi, il faut juste que je fasse un truc. On sait jamais s'il n'y a pas un trou de balle qui vient nous péter le cul. Oh là-dessus, je pense que personne va nous embêter. Ouais, mais Fiat, je vais aller checker sur la map s'il n'y a pas du Reaper. Non, laisse. Laisse à droite, Fiat. On avance pas, ce mec. Ouais, mais du coup, en fait, j'ai discuté avec des gars, et en fait, il y a une polémique sur le vent de face ou pas vent de face. Et en fait, c'est pas forcément prouvé qu'en mettant les voiles de face, ça te fait avancer plus vite. Je pensais qu'il y avait des connards qui avaient calculé les millisecondes qu'on gagnait. Bah justement, il y a des gens qui disent que c'est comme ça que ça marche le mieux, et d'autres qui disent « Non, ça sert à rien, mettez les voiles sur le côté, comme ça, au moment où tu fais le virage, tu chopes le vent plus vite. » Et surtout, l'avantage, c'est pour le barreur, parce que du coup, il voit ce qui se passe devant lui. Ok. Bon. Tu peux lever la voile de devant ? Ouais. Plein de poissons, il est résistant celui-là. Yann, va falloir lever les voiles aussi. Ouais, bah je le finis, là, il est en 4 secondes. Je pêche. Ouais, je pêche. Allez, une queue éclaboussante de mes couilles. Ah, génial, trop génial. Ouh ! Trop super génial. Bon, tu te souviens du texte que t'as lu sur la clé, Aurel ?
le texte que j'ai lu sous c'est une histoire je sais à base quoi, de cailloux, de requins, je sais pas quoi là. Et de foutre. Allez, je vais vous le lire. Le requin patient dans les rochers isolés près des deux palmiers sous la grande épine rocheuse de l'île. Et je prends la clé avec moi. Ok, c'est bien de nous le dire, c'est top. Alors, sous l'épine rocheuse, ben, ça a l'air d'être là-bas. Je les saurais le chercher. Hein. Les deux palmiers. Bah, là-bas, les deux palmiers. Non, il n'y en a plus. Tu rapproches le bateau au max, Mick ? Ah ouais, t'inquiète. Ben, ouais. Sous l'épine rocheuse. Là, c'est que... Voilà, il y a un son un peu chelou, là. Et quoi ? Un son bizarre. Quoi donc ? Ouais, je sais pas. Là, il y a deux palmiers, t'as là. T'as pris une pièce ou pas ? Ouais, là, il y a deux palmiers. Mais... Mais quoi ? Ben, moi, je vois pas de requin. Je sais pas si t'en vois un, toi. Tu vois où ça, Yann, ou pas du tout, là ? Encore. T'es sérieux ? Ben, là, il y a un machin, je sais pas. Tu la connais par cœur, celle-là, on l'a fait 12 000 fois. Ah, je la connais pas. Oh, les gars, ils me tirent dessus, là. C'est sympa. Yann, relis-nous le texte, s'il te plaît. Ah, je crois qu'on l'a perdu. Le requin patiente dans les rochers isolés près des deux palmiers sous la grande épine rocheuse de l'île. Oh, la grande épine rocheuse, vous l'avez trouvée ? Grande épine rocheuse. Moi, je sais pas trop, hein. Pas trop ce que c'est, l'épine rocheuse, là. Yann, t'es où ? Lui, je sais pas où il est, hein. Oui. Là, je me bats contre du fantôme. Tu t'en as fait quoi de la clé ? Je l'ai. Vas-y, laisse-la tomber. Ah, pas le requin, là, hein. Entre les deux palmiers. Et tu veux pas relire le bidule, là ? Je vais te le relire. Le requin patiente dans les rochers isolés près des deux palmiers sous la grande épine rocheuse de l'île. La grande épine rocheuse... T'es où ? Ah, t'es là, ouais. Il bah, faut trouver deux palmiers qui sont sous la grande épine rocheuse. Ah, là, il y a deux palmiers, là. Ouais, mais c'est pas ça. Des palmiers, ils sont tout petits. Non, non, c'est des vrais palmiers. Bon, peut-être de l'autre côté, du coup. On voit rien, là. C'est quoi que t'es censé chercher là ? J'en sais rien. Ouais, normalement quand t'as les fantômes, c'est que c'est plutôt poussé. Ah, c'est bon je là. Je te relis le bon. Truc. Ouais, ah, c'est bon. Faut sortir la lanterne, sinon tu vois pas. Le requin patiente dans les rochers isolés près des deux palmiers. Un rocher isolé. Ah, y a rien. Là, si. Là, y a quelque chose. C'est quoi ? Un requin. C'est dessiné. Nickel. Alors là, je sais. J'ai pas encore trouvé où, mais en fait, faut que tu prennes la clé qui est là. Ouais. Faut que tu arrives à la placer à un endroit pas loin de. Normalement, y a un socle. Alors là, ouais, c'est moi, j'ai trouvé le je... socle. C'est là. Où ça ? En face de moi. Il faut suivre les requins. Ah ouais, là. Ouais, il est juste là. Tu vas chercher la clé. La bah clé, ouais, elle mais est là. La clé... Ah, alors, attends. Vas-y, là. Hop. Voilà. Alors, attends. Vas-y, regarde la cinématique. C'est là. Par contre, ouais, tu descends pas tout de suite. Yann, tu fais la quête ? Tu veux que je fasse la quête ? Bien à faire, mais je suis pas hyper au point. Aurel, descends, vas-y, ça fait deux fois 4 merde quand même.
T'es prêt? Voilà, si vous trouvez des médaillons, il faut les donner. Tu laisses l'état d'or? Tu fais avec tous nos médaillons, toi. Ah non, il en faut un, au moins un. Tous les coffres que tu vois, Aurel, tu les prends et tu les fous dehors. Ok. Là où j'en ai mis. Où c'est le médaillon? Là, j'en vois un là-bas. Mais celui-là, on l'a déjà fait, hein. Ils sont tous un peu différents. J'en ai déjà fait un comme ça. Ouais, on en a fait ensemble. Bon, oui, je trouve pas de médaillon. Autant que j'y suis, je descends des coffres. Ouais. Ah, j'en ai un là. Putain, ils sont où ces coffres? Là, j'ai jeté par terre les coffres. Bordel. J'en ai jeté plein par terre. Cool. Ok. Merde. Bon, alors, un médaillon. Ça dit coffre. Alors, le premier, il y a coffre. Mick. Oui. Premier, il y a coffre. Ah, mais il y en a quatre. Putain. Vous avez pas d'autres médaillons? Chaîne horizontale. Bah, c'est normal. Je t'en ai dit chaîne horizontale, le deuxième. Voilà. Non, t'as appuyé une fois de trop. Chaîne horizontale. Voilà. Et du coup, le dernier, c'est par déduction. Le quatrième, c'est coffre, chaîne horizontale. Donc, c'est un cadenas à gauche et une clé à droite. Cadenas. Non, dans l'autre sens. La clé dans l'autre sens, ouais, c'est ça. Et là, t'appuies sur le bouton au milieu. T'as le dernier, il est bon? Bah, le dernier, c'est la solution, le dernier. Le dernier, tu peux pas le changer. Ah, ok. Bien joué. T'as tout descendu, ce qu'il y avait en haut? Ce que j'ai pu. C'est quoi, ça? Aurel, t'as foutu tout dehors, ce qu'on a foutu au sol? Bah, là, j'ai récupéré le gros coffre. Parcours. Bon, je sais pas s'il fallait faire ça. Hein. Ah, le coffre, tu l'as mis. Oui, le coffre, oui, j'espère que tu l'as mis dehors, hein, le gros coffre. Ouais. Pas encore. Là, j'en ai remis un en bas. Ouais. Ah, le gros coffre, c'est le truc super cher. Oh, vas-y, je te relance plein de coffres. Ceux-là, tu peux pas juste les. Descendre la plateforme là? Je peux pas. Ah non, tu peux pas. Vas-y, attends, je vais aider Aurel. T'as réussi à tout y descendre? Bah, pour l'instant, moi j'en tasse quoi. Ouais. Après, on peut commencer à ramasser l'état d'or, mais franchement, on est large au sein. On a tout sorti, ouais. On les avait tout pris en haut? Ouais, c'est tout tombé déjà. T'as tout descendu? D'habitude, on a moins de temps que ça. Hein. On est sûr. Ouais, c'est peut-être qu'ils ont encore facilité ça, ça m'étonne. Oh là là, c'est dommage. C'est avant, t'avais à peine le temps de sortir le gros coffre là. Ouais. Les médaillons là, c'était compliqué à trouver. Bah d'ailleurs, non, on l'a pas trouvé. Là, j'ai trouvé un truc dans un tas d'or. Ah, ils ont simplifié le jeu à mort. D'accord. Ah bah ouais, t'as vu le temps que ça prend? Ouais, on va même pas crever dans la cage. T'es abusé. T'y crois ou t'y crois pas? C'est trois fois que j'ai le temps de monter au sommet du truc là. Ah non, quand même, c'est tombé la porte là. Ah, ça sert à rien. Hein? On a quasiment ramassé toute l'or. Parcours. On va mourir là. Oh ouais, c'est l'idée, mais c'est pas grave. Ramasser toute l'or. Il y avait encore deux reliques là. Ah, c'est bugué. Ah merde. Ah, mais il y a encore de l'or là. Ah, mais il y a plus grand chose d'or. Hein. Tu peux te dire qu'on meurt bien avant. on respire plus. C'est le principe de mourir. De la noyade. Oui. Comment tu fais les bruitages sur le bidule là? t'as le soundboard en bas à gauche, ouais. Ah, ouvrir ouais, soundboard, ouais, un logo soundboard. Avec une corne. Et voilà. Erreur 404. C'est. À ses propres bruitages. Ouais. Ah, c'est cool. Bon, bah voilà. Allez, on va faire les courses. Yep. Ah, du coup, faut ramener tous les coffres ici, c'est ça? C'est ça, et après on les harponne. Et attends, dis-toi qu'avant fallait les harponner et les sortir du harpon, maintenant on les harponne comme des
des gros sales. Le pont du fun. Alors ça, c'était quand même une bonne chose qui facilite ça. C'était insupportable de devoir harponner et attraper chaque loot un par un. Ouais, c'est un peu chiant. Enfin, faut être nombreux, quoi. Ouais, quand t'es nombreux, c'est cool, mais quand tu te faisais des solos... Ouais. Bah, en gros, ils ont fait en sorte qu'on puisse jouer tout seul au jeu, quoi. Ouais. Avec tout ce qu'ils ont fait pour le simplifier. Ouais, mais des trucs, c'était pas obligé de le simplifier. Bah, ouais. Comme la cache, là... Voilà, y a plus de suspense, y a plus le stress. Ouais, mais après peut-être parce qu'on maîtrise mieux, mais le ouais là il y a quand même zéro stress. Je pense pas. Là c'était spécialement long. Ouais putain, c'est la première fois qu'on a le temps d'autant vider. Dis-toi Aurel, d'habitude on a à peine le temps de sortir tous les coffres. Et encore des fois on les sort pas tous. Ouais, ouais, là on avait le temps de boire. Alors les tas d'or, laisse tomber, on avait le temps d'en sauver que 2 ou 3. Hein. Moi, je me souviens qu'on le faisait avant. Ouais, il me semblait qu'on était noyé plus vite. Ouais. Ouais, bien plus vite. Après, ça fait longtemps qu'on en a. Enfin, perso, que j'en ai parfait, c'est pas un bail. Ouais, peut-être que ça fait un moment que ça a été simplifié. Mais... Oh là, oh là là, il y a un keg. Yann, faut que tu viennes. Trop tard, il est mort. C'est Yann qui a dû le faire. Oui, c'est Yann qui a buté. Moi, j'ai buté le squelette, mais il avait enclenché son keg avant. Ah mince. T'étais mort pour être au bateau? Ah non, t'es allé pour harponner. Je suis retourné pour harponner, ouais. T'en as encore quelques-uns à remonter. Normalement, j'ai mis le bateau hyper bien. C'est ce coffre-là, Aurel, que ouais, t'as ouais, pris. Ouais, ouais, je sais, c'est moi qui l'ai mis là. Ouais. C'est le gros, ouais. Là, il vaut 2 sous. Mais c'est bien, au moins, ça permet d'acheter les quêtes directement depuis le bateau. Ouais. T'es pas obligé de retourner à un avant-poste pour acheter les quêtes maintenant. Pas encore? Pas encore. Sérieux? Hop, on a tout. Yann harponne nous. Et ben on n'est pas level 5. Ah merde. Oh, y a peut-être une quête à faire sur Steel. Non, même pas. Ouais, on va faire un truc. J'avoue, on a rien. Non, mais attends, on va pas foutre le camp comme ça. Je pense qu'il y a peut-être un bout de truc à faire. Voilà. Je vais aller jeter un œil. Le temps déjà que je sorte le bateau de cette merde. Du coup, moi j'ai juste regardé un truc sur mon stream. Parce que j'ai un problème avec l'or et je sais pas pourquoi. J'ai un problème avec le script de l'or. Y'a rien. T'as réparé? T'as rien cassé? Ah, je crois que j'avais cassé un peu le bateau, mais non, pas du tout. Bon, on va relancer une petite quête. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Non, c'est pas bon. Voyage collectionneur d'or. On va faire un petit. Ouais, faire relancer un petit truc. Ouais, bah là j'en mets un, c'est bien qu'ils mettent un chrono. Ouais, ça c'est cool. Alors non, on n'a pas envie de plonger. Ah non, non, tu m'étonnes, on n'a pas envie de plonger. Merde. Pas réussi à me mettre. Ah, tu mets juste trésor enterré du coup? Voilà, une carte au trésor de capitaine. J'ai cliqué. Ouais. Ah non, non, on ne plonge pas. Ah là, c'est bon. Juste ah, tu peux dire. Imagine, là, on plonge, carte la déception. Oh putain. C'est écrit voter pour naviguer vers la quête. Sinon, c'est écrit voter pour plonger vers la quête. Ouais, ouais, non, j'ai bien choisi. Ah, nickel. J'ai fait gaffe. Ah ouais, en plus, c'est un truc vraiment facile. Tu me trouves C'est quoi ça? C'est un peu en forme d'Italie. Plein Ouest. Tu là? Ouais. Elle a Teco? Ouais, nickel. Elle est juste tout droit.
Utilisez la carte dans votre menu circulaire de quête. Localisez les endroits marqués d'un X et déterrez les trésors. Et là, ils ont mis deux chronos quand même. Hein. Alors que clairement, il y en a pour 10 secondes à aller le chercher le bordel. Non, il n'y en avait qu'un sur celui-là. Ah, moi, j'en avais deux sur celui-là. Oh, oh, levez les voiles, toutes les voiles. On se le fait ? Ouais, bah oui. Allez, trop bien. Aurel, c'est le mégalodon. Sérieux ? On part contre, on est peut-être un peu plus tard. On est trop près de l'île. On est sur l'île, ouais. On est déjà arrivé sur l'île, j'avais pas vu. Ah, dommage. Bon, on y retournera. Ouais. Et Aurel, va nous faire la carte pendant que... De quoi ? Quelle carte ? Bah ici, là, on est une nouvelle quête. Ok. Une nouvelle carte. Pareil que tout à l'heure. Une croix et tu nous le trouves. J'ai déjà buté tous les gars qui sont là. Pas de gars. Si, si, putain, forcément. Je vois pas le mégalodon. Y'a un mégalodon ? Normalement. Je le vois pas. Putain, ah putain, y'a un requin. Vas-y, Yann, le requin. Aïe 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 aïe, il s'applique. Je sais pas, c'est que le requin. Et tu fais à manger ? Ah, putain, le mégalodon, c'est un violet. C'est vrai, trop bien. C'est une queen. C'est la queen, je sais pas quoi qui s'appelle. Ah, il est où mon rubis ? Ah ouais, ça y est, je le vois, le mégalodon. Ouais, je l'ai pris, je l'ai ramené vers le bateau. Okay. Aurel, t'as trouvé ? Non, bah là, je cherche pas, je bute des gars, quoi. Bah, ils sont tous morts, là, tu peux y aller. Ok, bah alors, quête. Quête, non, merde, c'est pas là. Quête. Donc, je pense qu'on est là. C'est celle en forme de T. Ok. La barre de thé. C'est bizarre. Ok, mais je dirais qu'on est par là. Ok, c'est bon. Et le mec, il one-shot les trucs maintenant, c'est un vrai pirate. Voilà. Ah, vas-y, prends la caisse, il y a une caisse là. Il y a encore une autre caisse là. T'as trouvé un coffre, Yann ? Comment t'as fait ? Oh, bah, il y avait une deuxième croix. J'ai pas fait gaffe. Ah, ok, j'avais vu qu'une seule croix. Il ne quitte pas le mégaloprout. Ouais, mais on va aller le récupérer ici. L'île est petite, mais prolifique. Ouais, c'est cool. Ah, oh, putain, je suis en train de gerber. T'as mangé de la viande crue, toi ? Ouais. Je crois. Allez, mégaloprout. Puis après, j'ai vu qu'il y a une forteresse fantôme, là, ça suffira pour nous mettre. Ah, bah, carrément, voisins. Une forteresse, c'est une très bonne idée d'aller faire ça. Vas-y, reprends-moi, s'il te plaît. Aurel, on grimpe dans le bateau, on y va. Ah, il manque rien. Mec, il manque 2%. Eh bah, le mégalodon, on va le faire. Mégalodon, on va faire du truc. Et basta. Ouais. Bon, mégalodon, moi je prends le pistolet de snipe. Ah, du coup, je suis content, j'ai réglé mes problèmes d'heure sur le stream. C'était sur un mauvais fuseau ? Non, je pense que le script il était pas bon. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi, mais. Je sais pas s'ils ont changé de script entre deux, mais ça montrait. Enfin, ça affichait pas l'heure, quoi. D'accord. En fait, je pense que c'est un script qui montre l'heure, mais genre une pendule, quoi. Enfin, un truc visuel. Et moi, je voulais juste un truc écrit. Là, le truc, ou pas du tout. Allez, ah là, on l'a. Ouais, il y a du boulet. Bon, du c'est coup, bon faut le snipe, lui tirer dessus avec tout ce que tu peux, puis essentiellement du boulet. Ok. Et du snipe. Mais le boulet, du ouais, snipe. C'est mieux. Tu le vois ? Non, je le vois pas, mais ah, je vois pas. Ah, voir. Je le vois, il est à la proue. Ok. Sérieux ? Il est loin, faut avancer. Bon, ça, il est loin. Il est vraiment loin. C'est joli, on voit ça, juste là, la là. Crête. Ah, c'est bon, il se rapproche. Ah, pardon, putain, moi, je suis en train de regarder le coucher de soleil. Putain, ça attaque. Ça attaque ? Mais merde, je suis pas du bon côté ? Je vois pas. C'est où qu'il y a une shark, ce con ? Il était à gauche, non, il a pas attaqué. Ouais, non, il y a un bug. Faut avancer. Faut mettre un tout petit peu de voile là. Ouais.
Parce que je le surveillais de près, ce trou de balle, et je trouve ça bizarre la musique. T'as réussi à le hit marquer ou pas du tout? Même pas. J'ai pourtant à chaque fois quand je tire comme ça, je le touche, et là les deux fois, rien. Donc je pense qu'on était hors de portée. Il est quand même passé juste à côté. C'est juste devant. Je vais voir dans... Je vais attaquer. Je vais voir dans le nid de piste ce que ça dit. On n'a pas la musique, hein, c'est qui est plus là. On va aller se faire le fort juste à côté, sinon. Bah, ça serait bien quand même la Queen Violette là. Ah. Merde. Putain, j'ai chu. Ouais, bah allez, on va faire le fort. Fort normalement, c'est censé faire. Du shark à cook. Ouais, bon, on vend, puis moi j'arrête après, ça fait tard. J'aurais bien pu trader les gens, mais... Y'a école. Y'a école demain? Ouais. J'ai vu des trucs qui brillent, là. Harpon! J'ai rien à harponner du tout. 2% comme ça, et ben voilà. Si on avait un mec qui savait harponner au moins, bravo, ouais, félicitations. Bah, j'ai bien appuyé sur le bon bouton, mais j'ai ramassé un coffre. On relève les voiles, vite. On va devoir ancrer. Ouais, ah. Putain, j'ai ancré, mais ça a touché quand même. Ouais, ça a pas cassé. Sérieux? Bah non, ça a pas cassé. Si, ça a cassé. Ah, j'ai entendu un gros crack, moi. Ah, je l'ai pas entendu. Et oui, ça a cassé. Bah, au moins, on s'est pas fait tirer dessus une seule fois. La vitesse à laquelle on est arrivé, t'as répare et t'as écope. Bon, c'est bon. Il y avait juste un trou. On est safe. On peut faire le sport. J'ai remonté l'ancre. Ouais, j'ai remonté l'ancre déjà. J'ai remis un peu de voile pour pouvoir me mettre tu en face pilote du bon trou. Ok, ouais. Mais tu peux me harponner pour me faire faire les virages plus vite, moi ça me va. Ça marche. Bah là tu vas pouvoir te faire plaisir, on a une caisse de sto, tu fais tous les barils blancs là. Ouais. Ah, t'as fait trop court le virage. J'y vais. Arrivé Aurel, il aura fini le fort, ça va être trop bien. Si seulement. Bon, j'ai buté déjà tous les gars que j'ai vus. Ah mais il y en a encore. Ah voilà. C'est... Je me fais défoncer. Il y a des trucs pour recharger les balles un peu partout. J'ai besoin de raise. Ah, champion. T'es où? À l'aide. Je suis tout en haut. Je tente un sauvetage, mais ça va être un peu juste. Ouais. Ah putain, t'es là, pile poil. C'était chaud. Merci. Bâtard, je t'en prie. Service. Hola. Comment estás? Ça y est. Bien. Estás bien à la casa? Ah ouais, On t'entend pas. On n'est pas là? Non. C'était loin. Tu gueules fort dans le micro. Le son par exemple. Je suis en train de me faire fracasse. Mais t'aimes pas? Non. Je préfère. Et il faut qu'on pose où les coffres là? En bas. En bas. En bas. Petite nacelle.
Ouais, exactement, sur le ponton. Il y a déjà... Dans la... Enfin, tout en bas, quoi. Tout en bas. Ça marche. Vous dites, hein, quand vous avez la clé. La clé de... Ah, pour l'instant, je... Si tu vois une clé, tu nous le dis. Il est plus haut point, Aurel. Ah, la vache, ouais. Putain, j'ai pas croisé un seul... Et quel est... Qui c'est le connard qui a ouvert la cache et qui a pas dit qu'il avait la clé là? C'est sans doute moi. C'est Mick. Non mais t'as ouvert une porte ou pas? Ce Mick, il est tout à fait capable de faire ça. Ah non mais je pense non. Moi. J'ai cherché des trucs et En fait j'avais déjà trouvé une clé et du coup j'ai laissé tomber le reste. Tout était ouvert. Des seuls en bas, le rugby c'est un coup apparu, sera l'envoyer. Ah ouais, je fais trop de la merde. Vous avez trouvé la clé? Ouais, mais non, mais il y a non, pas mais la clé, la clé, tu l'as eu? Bah oui, j'ai ouvert en haut. Bah ouais. Voilà, c'était ça qu'on voulait. Voilà. Ah bah, j'avais pas compris, mais c'était déjà fait du coup. C'est ce qu'on a vu assez vite. Bah, du coup, il y a plus rien là-haut. Là hein? Il faut tuer les mecs là. Ouais, mieux un peu. Bah, les mecs, moi je sais pas où ils sont. Hein. Ah, il y en a un là. J'ai l'impression que c'est tous les parpillés. Ça va, bro? J'étais pas sûr que c'était toi, quoi. Et on finit par un fort fantôme. On t'entend vachement bas, quoi. On t'entend vraiment pas bien. Sérieux, c'est pas mieux, là? Ah, si, là, c'est beaucoup mieux. Sérieux? Moi, j'entends que... Attends. Bah, augmente le son, bro. Hein. Bah, les autres, je les entends bien, mais... Tu cliques droit sur mon pseudo et tu peux augmenter le son. T'es à fond. T'es à 200%? Ouais. C'est pas normal, les autres m'entendent. Ouais. Oui, il a peut-être pas envie de t'entendre. Non, on t'entend, mais de loin, quoi. C'est pas très net. Ah non, moi, là, je t'entends. Je t'entends bien, là, par rapport à tout à l'heure où j'entendais à peine. Ouais. Mais tout à l'heure, ouais, c'est clair qu'on entendait encore moins, quoi. Ça va ou quoi? Ouais, tranquille, là, tu stream, là? Ouais, je stream. T'as pas honte? Non. Non, surtout que ça a pas duré longtemps, donc ça va. Je pense que j'aurais eu moyen de faire des screens 10 fois où j'étais au-dessus, quoi. Putain, cake. On est tout un cake, toi. C'est pas moi, il a spawné. Non, y'a personne qui spawn avec un cake sur ce truc-là. Ah non. Bro. Le cake a spawné. Tu m'entends? Ça y est, y'a du boss. Mais vous êtes pas mort? Bah non. Ah bah moi je suis mort hein. Fallait nous dire, je pensais que tout le monde était mort moi. Bah non mais t'es un faible. Ouais t'as raison toi. Mais t'as branlé quoi avec ton cake? Bah je l'ai fait péter. Il était loin, je tirais dessus, mais ça on essaye. Faut jamais faire péter sur style parce que sur les trucs comme ça il y a tellement de cakes partout. Du coup j'en ai fait péter deux. Y'a que toi qui est mort, mais du coup ça va quoi. Bilan est positif. Les enculés. Bon, il va mourir l'autre, hein. Ah, c'est bon. Ah, voilà. Là, y'a une autre clé normalement que t'as récupéré. Non, je vais pas récupérer. Je l'ai. Alors, on va en bas, Aurel. Tu vas pouvoir vider la salle. Ouais. Bah, alors, comme ça, Aurel, t'es fait dominer par Yann sur LCS. Bon, elle dominait, pas exagéré. Moi aussi, je dominais. Bah, je te veux. Ah, ouais, t'étais avant-dernier. Ouais, je sais. Bah, ouais, mais voilà. Mais j'étais au-dessus d'Aurel, quoi. C'est pas représentatif de l'ensemble, quoi. Franchement, Kayan, tu nous as survendu Aurel. Franchement, ouais. Apparemment, ouais, j'ai vu ça, j'étais déçu, quoi. Ah, nous, on attendait une légende, et au final, on mais a. Mais carrément joué avec un... Vous allez nous mettre un 25-0. On a joué avec un vieux, quoi. Ah la vache, une légende. Le mec il est sur Windows 95. Il nous avait même dit qu'on se débrouillait pas trop mal alors qu'on sait qu'on est nul. Hein. Bah disons que ça a pas duré longtemps quoi. Mais sur le coup je me suis dit tiens ils s'en sortent pas trop mal quoi. Non en vrai ça jouait pas trop mal. Il y avait une bonne cohésion. Enfin sur nous trois quoi. Ouais, il faut qu'on fasse une partie à plus. Vous avez cheaté un petit peu? Vous avez fait du Wallach? Non, mais pas du Wallach. Je ne vois pas de quoi tu parles. C'est le meilleur côté, c'est le meilleur aspect. C'est le plus drôle. Bah ouais.
Il paraît qu'il faut que je tente de nettoyer tes mémoires vives et de les remettre. À ce qui paraît, ça pourrait. Ça l'autre fois. À ce qui paraît, ça pourrait résoudre ton problème. Bah, ce qui est possible, hein, parce que en gros, elles sont vieilles, donc c'est clair que si le contact se fait mal, ça peut générer ce genre de problème. Ouais, c'est ce qu'un mec disait. C'est Mick qui t'a dit ? Ouais. Ouais. Bah, si c'est juste ça, tu sais, tu vas pas racheter une config, c'est juste un coup de nettoyage d'alcool sur les contacts et de remettre. Un nouvel ordinateur, c'est tout. C'est pas compliqué, hein. Dis-le direct. Ça va prendre 2 secondes, hein. Ouais. Merde, je vois pas les coffres. Vous les avez déjà harponnés, les coffres qu'on a foutus sur les remparts ? C'est quoi, lesquels ? Non, j'en ai descendu. J'ai descendu la pierre et le coffre qui brille. Mais il y a encore une caisse en haut. Ouais, il y avait des crânes et tout. Non, il n'y a pas de crâne. Bah, j'en ai mis. Tu sais, sur le rempart tout en haut. Ouais, bah normalement c'est là. Regarde. On va avancer un peu. Est-ce que vous avez testé les nouveaux contenus de la mage ? Ouais, mais bah, en fait, le jeu il est simplifié quoi. C'est pas vraiment du contenu, c'est du... Oh si, ça a changé des trucs. C'est bah, plutôt qu'ils ils enlèvent du contenu au final. Il y a des nouveaux forts, non ? Il y a des nouveaux forts, des nouveaux coffres. C'est vrai, les nouveaux coffres, je sais pas comment faut aller les chercher. Bah c'est dans des forteresses apparemment, des... Des forteresses, celles avec les crânes verts au-dessus ? Je sais pas du tout. Parce que là, nous, on vient de se faire une forteresse... C'est les petites forteresses, ouais, exactement. Ouais. Pour l'instant, bah non, c'est un autre truc apparemment un peu plus costaud. D'accord, mais ça je veux bien essayer. Mais je sais pas comment tu le débloques, ni rien, etc. T'as fait le plein, Yann ? Ouais. Bon, là on arrive à la fin de la game, Kayan, t'es chaud pour un CS à 4 ? Oh ouais ! Vas-y, Yann ! Ouais, je vais bien essayer, mais moi ça plante une chier, donc je veux bien essayer, ça me dérange pas. Ça plante, ça plante. Hein. Vas-y, on va vendre. Je voulais aller me coucher, mais l'occasion est trop belle. Ah bah, carrément. Ça plante. Ah sinon on peut aller à Bernacle, ah mais non, parce qu'en fait, tu vois la carte qui nous reste, putain, Forteresse des Damnés, elle est là, on va se barrer, plein sud. C'est bon ? L'autre carte qu'on avait, il y avait plein de coffres à aller chercher. Mais c'est pas grave, on va s'arracher comme ça qu'on va jouer Kayan. Vous avez pas croisé cet enculé de Dofi ? C'est ton meilleur pote ? Il nous a aidé. Je le déteste maintenant. Mais tu l'aimais bien avant ? Non. Bah alors, ça change quoi ? Je pense que je l'aime encore moins. Bah, c'est que tu l'aimais pas, mais tu le détestais pas forcément. Maintenant, c'est officiel que c'est un con. Il y a plein de mouettes. Mick, il y a une chier de mouettes là à gauche. Ah, encre ! Et par contre, il y a un galion en droit devant. T'es sérieux ? Non, c'est une blague. On ne peut plus sérieux. Ah, mais je vois aussi. Et c'est un Reaper. Enfin, c'est non, même pas. On s'arrache. Faut se casser, c'est pas un tourne vite. Fantôme. Ouais, c'est exactement le bon bruit. Je vais regarder la map. Non, mais c'est un émissaire. Et c'est pas un Reaper, mais il est à l'avant-poste. Et c'est un galion. Ouais, on s'en bat les couilles, on s'arrache. Attends, je vais te donner une direction. Donne-moi une nouvelle direction. Ah, hein, tu te chies dessus, hein. Bah là, oui, fin de game. On est juste à vendre, oui, ça allez, va merde. Est, plein est, tu vas tout droit, on va vendre dans le Devil. C'est ça, ouais, c'est jouable. Ah, on sera tranquille. C'est même, hein. Je pense, la meilleure chose à faire, t'as raison. Ah ouais, dans le Roar, c'est est-sud-est. Ah, j'ai acheté de nouveaux trucs sur le jeu, Mick. Tu vois les armes. Tu vois les armes. Athéna ? Ouais. Mais pas les grises, là, celles qui sont toutes vertes, un peu fantômes. Ouais, celles qui sont. Ouais, et puis il y a des trucs dedans. Là. Ouais, mais je les ai toutes. Ah, pardon. Bah moi j'ai plus une thune. Ah mais j'ai plus une thune, moi c'est fini. Fallait faire 25 FDD. Le mec c'est pimpé. Ah ouais, ouais. Moi j'ai peux plus moi ça. J'ai plus de sous. Ah t'as stack à fond les FDD. J'en ai fait 25. Je compte. Putain, moi j'en ai fait 2. Ouais, moi j'en ai fait 2 et les 2 on s'est fait foutre. Bah l'autre fois on a fait 6. Et ouais, c'est ça en fait. Tu les enchaînes avec les gars. Voilà, les seules fois où j'ai joué avec ton forum FR, là, je tombe avec des enfants ou des gars qui savent pas jouer ou qui jouent depuis une semaine. Ouais, mais ouais, c'est problématique.
Mais non, l'autre fois, on a fait une game samedi, je crois, avec deux autres gars. Ouais, c'était pas mal. Là, c'était cool. Ouais. En fait, ça dépend de l'annonce que tu fais. Dans l'annonce, faut dire que tu veux pas d'enfants et que tu fais des mecs qui font un peu, quoi. Ah, mais ça regarde que moi et ma copine, ça. Ou que toi, tout seul. Mais là, c'est un peu plus glauque. Je sais pas, hein. Ouais, alors, bon, tu connais pas beaucoup Mick, mais tu l'as bien cerné. Il était curé dans notre vie. Curé, je sais pas, mais en tout cas... curé, ouais, tout à fait. Ça lui correspond à 100%. Elle a 10 ans de moins que lui, quoi. Elle en a que 7 de moins que moi. Quand il avait 20 ans, c'est ça? Ouais. Le mieux, c'est quand j'en avais 10. On a du loot de ouf en fait. T'as vu un peu tout ce qu'on a? Oh là là, shit truc. Hein. Ça ferait chier de se faire attaquer maintenant. Sur Twitch, gros là. Quand on fait des Athéna, c'est de la Twitch, ouais. Là. Ah bah je vais suivre là. Ça fait un follower du coup. Ouais, ça sera. Bah, je crois qu'on a eu deux au départ. Et puis bah, ils ont même pas parlé dans le chat. Par contre, ils ont follow, mais ils sont barrés. Mais souvent sur le stream d'Aurel, on est deux. Avec Kayan. Ouais, bah c'est, ouais ça. C'est ça. C'est le max. Ça, c'était sympa celui du Nouvel An. Ah, le Nouvel An ? Oui, c'est quand t'as fait, quand t'as éclaté Hello à Street Fighter là. Mais le mec, c'est en soirée. Sérieux, il a vraiment pas de race. Ah non, non. Il est grave, on était choqués. Non mais Hello, au final c'est vachement mieux défendu que ce que j'aurais imaginé. Non ça va. On était à fond pour Hello évidemment, mais on savait de base que ça allait être un chien de la casse. Mais grave, dis-toi que l'autre fois je suis retourné le voir, il jouait à Smash Bros avec Hello, ouais. Il a fait pareil, il l'a défoncé mais il prenait les battes et tout, il prenait les items, il l'a dégagé avec. Le gars rien à foutre. Tu jouais sur 64? Ouais, sur 64. Hein. Je l'ai poncé celui-là sur 64. Il n'y a que 8 persos, mais il est trop trop. Bon, on l'a tous poncé. Et d'ailleurs, j'ai chopé les manettes. J'ai chopé les jeux et les manettes pour jouer à plusieurs. Genre, j'ai une GameCube et j'ai 4 manettes. Et j'ai Smash aussi. C'est génial. Bah vas-y, là, on se fait une petite bouffe pour ton retour et une petite poutraison à Smash Bros. Bah ouais, ah, y a moyen. Mais bon, nous, on n'est pas Elo, on s'y sera pas faire. Hein. Ah ouais, pas de soucis. Je pense pas qu'elle se laisse faire. Hein. Elle subit, c'est tout. Ah non, elle a pas fait l'étoile de mer. La voile. Il est sans pitié, quoi, Aurel. C'est abusé. Il lui faisait des combos. À Street Fighter, il lui faisait des gros combos et tout. Ça, il en a rien à foutre. Et attends, et en plus, non mais le pire, c'est il prend un perso, il dit ouais c'est un des plus forts du jeu celui-là. Du coup il le prend, tu sais, normal, et il fait une deuxième partie et il prend le plus fort du jeu. Donc il a pris les deux meilleurs gars du jeu pour l'éclater, quoi. Magnifique. Saga, t'es Akuma là. Aïe. Dites-nous à combien vous êtes d'or pour garder. Bah, je vois pas pour le moment. Moi je suis à 2 millions. T'es à peu près 2 millions. Ok, je fais les comptes. Aurel, il a 1 million 2. Voilà, normalement on va faire de la maille. Ouais, exact. Bon, moi j'ai pas dépensé beaucoup. Hein. Ah putain, pour ouvrir ce match. Non, t'as pas besoin de l'ouvrir. Tu cliques deux fois sur R. Bon, ça j'appuie deux fois sur R. Tu te présentes avec le coffre en plein. Quoi? De ramasser les. Bah ça marche pas, deux fois sur R. Bah elle te le vide. Non, deux fois sur F. Non Sur F, pardon. F, ah oui, ok. Mais à la limite, garde-la et tu chopes les trucs, les petits items. Oh oui, c'est trop tard. Là, j'ai vendu. Si jamais Aurel, avec ce coffre-là, ouais. T'as pas besoin de le poser, de l'ouvrir pour mettre les trucs dedans. Tu peux choper les items en tenant le coffre. Ok. Voilà, vu qu'on est juste à côté, c'est pas tant la peine de faire le rangement, ça va vite. Ah bon, c'est fou là. Ah, celui-là, quand vu qu'on a pas trop le temps. Non, ça tu veux pas lui vendre. Ok. Ah, c'est tu marques bien, enculé. Justo. Quoi? J'anticipe parce que pendant qu'on. Je crois qu'on est en train de cramer.
Ah mais faut moi le bateau il en fait. Bah non. Mais non. Un barbuck. Un barbuck. Oh non. C'est rien ça. Pas y craindre. La tête pour deux bougies quoi. Ouais, et faut qu'on vende quand même le. Une caisse de bois les gars. Avant qu'il coule. Et bah va dans le bateau. Ouais bah j'en viens du bateau. Ah. Vous me la remplissez. Tu veux que la remplisse de planches. Bah ah, des planches que t'as bien des planches dans la poche. Ah moi oui. Ok. À chaque fois tu lui piques les coffres Aurélie. Je prends rien. Il veut prendre le coffre, il fait et le coffre disparaît devant sa gueule. Après j'arrive devant elle, je dis mais j'ai plus rien, c'est quoi tes livres. À Cayenne au début on a commencé notre partie et tout. On fait une première île, tranquille, on repart, on se bat contre un galion fantôme, boum. Qui c'est qui apparaît derrière le galion? Reaper 5, en brigue. Et faut vite aller dévoter avant que le bateau coule. Dévoter au loin là. C'est où dévoter? Il y a une brigue. C'est moi dévoter. Yann, où est-ce qu'on dévote? Du coup, tu peux te TP sur la map? Tu TP au début, ouais, si t'as pas. Là, Aurel. Ouais. Si, là, tu votes et là. Et du coup, on s'est fait violer par des gars, on s'est bien défendu. Mais il reste. Ah, bah voilà. Il reste ce con Yann, qui est en train de brûler mon bateau et que ça va encore me coûter un bras à le réparer. Non, mais t'avais 1 200 000, t'as toujours 1 200 000. C'est quoi le délire? Il l'a pas enlevé, hein. Il y a toujours le bateau là. Il en reste un encore. Non? Yann, t'as branlé quoi? Tu nous as mis en mer calme ou quoi? Ah non, c'est moi qui jouais. Ouais, c'est toi. Non mais les gars, vous avez rien gagné comme thune. On a rien gagné du tout. C'est une blague. On a croisé des mecs ou pas? Mais moi j'avais 2 460 000 et là j'ai 2 467 000. Moi j'ai rien gagné du tout. Hein. J'ai rien gagné, il y a un problème. Ah, comment non, on peut savoir si... J'ai vu au début du jeu, ça disait que... Il y avait pour le moment un problème... Par rapport à je sais pas quoi, mais que ça serait compté. C'est vrai? Et qu'en gros, il y avait un bug là-dedans, mais que notre... C'est chiant un peu. Notre XP, elle était prise en compte, quoi. Après, l'or, j'en ai rien à foutre, quoi, du moment qu'on ait l'XP. Ah va. Si, moi, je veux l'or. J'ai besoin de thunes, moi. Je suis passé 60 ans collectionneur d'or, j'ai pris 3 niveaux. Ça n'a pas été quoi? On va voir dans... Ouais, journal de pirate. Oui, journal de pirate là-dedans. Retour, en bas. Ouais. Journal de pirate. Non, là, voilà, réputation. Ouais. Non, à droite. Comment ça, à droite? Là? Non, voilà. Non. On a comme fait ça, 3... je vois un peu tes niveaux. Ah, mais on a fait 300 000. On a fait 300 000, les gars. Putain. Moi, je suis nul. Deux niveaux collectionneur d'or. C'est bientôt 50, Aurel. Ouais, en collectionnant l'or, mais tu regardes le reste, c'est de la merde, il y a des trucs, j'ai même pas dépassé le 1. Eh putain, non, alors, les trucs du bas, c'est du PVP, c'est normal, bro. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé sur le bateau, les gars? De quoi? De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez vendu les poissons de la caisse de sto? Non. La caisse de sto, je l'ai pas. Si, je crois qu'elle était sur le... Elle est pas au baron, la caisse de sto? Je crois qu'elle est au baron, non? Non, elle doit être sur le bateau. Ouais, là. Youhou! Belle torche. Mais non, faut pas le vendre ici, Yann. Joli saut, hein, c'était magnifique. Tu peux les vendre ici, les poissons. Tu peux, hein. Ouais, mais est-ce que ça fait avancer le... Oui, moins que si tu vends sur place, mais ça va quand même avancer les... Maintenant, oui, mais... On va aller faire un petit CS avec Cayenne. Ouais. On va pas tortiller du cul pour chier droit, quoi. Vas-y, vends-y tout. Putain, tout ce que j'ai cuit, là. C'est chiant, ce bug, là. Ça prend pas la thune. Ouais, c'est dingue. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé, mais on s'est peut-être fait attaquer, je sais pas. Ouais, je pense pas. C'est bizarre que le bateau, ils soit en feu. J'ai vu une personne jeter des trucs, mais il y a rien. Ah ouais?
Sérieux ? Non, et c'est pas toi. Mais regarde, j'avais ma barque dorée accrochée à mon bateau, moi. Ah bah c'est dommage. Allez, bim, headshot. Ouais, t'as de la chance que j'ai plus de boulets incendiaires à balancer. Balance au reste. Ouais, moi non plus j'en ai plus. Allez, petite partie de CS. C'est parti ? Ouais. C'est tu pars ? Allez, c'est parti. CS. On va repasser en chat. Ouais, j'ai vu un petit truc qui disait que ça comptabilisait pas forcément tout. Ouais. C'est quoi ? C'est la saison 11 qui bloque ? Ouais, je pense qu'ils ont pas... Ouais. Mais bon, on a fait 300 000. Ouais, 300 000 en émissaire, c'est avec le coefficient multiplicateur, mais en vrai, on a fait un peu moins. Ouais, carrément. Bon, allez. Bonne nuit, du coup. Moi, je vous laisse aussi. Bye bye. Et puis, à bientôt. Hein. Bah ouais. Hein. Allez, tchou tchou. Tchou tchou. Tchou tchou. Coin, coin. C'est trop chaud. Ça part en sucette complet. Allez, bye bye. Bye. Bonne nuit. Voilà, c'en est fini pour cette petite session avec l'agent Guild. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à très bientôt sur mon live Twitch. Allez. Thank you.